Putain de merde. Moi celle-ci c'est pour Olivia, ma petite nièce. Parfois je me dis, je suis pas assez terre à terre. Faudrait que j'appelle ma mère. Ça fait longtemps que je suis parti faire la guerre. Y'a plus de passion, je suis comme un prestataire. Tout ce dont j'ai pas besoin, je veux l'avoir. Je suis pas d'accord, monsieur l'arbitre, je veux l'avoir. J'ai mal au dos parce que je regarde trop mon téléphone. Adieu monde virtuel, putain, je t'aimais fort. Ma vie c'est un film français, je me fais trop chier. Je rappe la vérité, faut pas que vous me le reprochiez. Je vois ce SDF qui fume le rocher. J'ai appelé ma mère, mais elle a pas décroché. Quitter la maison, devenir une légende, puis rentrer à la maison. Et c'est ma vie ordinaire. C'est ma vie ordinaire. N'est pas de tout repos, faire des thunes et ne pas cracher trop tôt. Je veux pas de la parité, je vous donne tout, je suis fatigué, massage au beurre de karité. Il y a la dentelle, il y a les slips, qui tout double, j'ai pris le triple. Aïe 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 aïe, fines herbes, c'est ici qu'est le plus verte. Mon public souriant me fait briller, je pars de dimanche à février. À ton âge, y'a des choses qu'on dit plus. On refait pas sa vie, on la continue. C'est ma vie ordinaire. C'est ma vie ordinaire. C'est ma vie ordinaire. Si t'entends des sirènes, c'est que pas loin sont les rapides. Ils font l'argent rapide. Un joint et une trappiste, ça me rend ultra piste. Si tu vois pas la vie du bon côté, c'est que ton troisième œil a un strapisme. C'est ça. Encore une tache sur mes habits, ça pique. Mais même quand je suis pas happy, je suis happy. Un jour j'espère être père, j'espère être papy. Askip, quand tu crèves, tu vois ta vie défiler comme un zapping. Moi je veux la voir défiler comme un top modèle à la Fashion Week avec un pet de hache et de weed. Ouais ma tête, je l'ai dû perdre. Super. Je l'ai sûrement encore oublié dans l'Uber. Devenir une légende, puis rentrer à la maison. Et c'est ma vie ordinaire. C'est ma vie ordinaire. C'est ma vie. Le ciel tombe, on se retrouve souvent seul. On pense à notre futur, on se demande si demain sera ok. Quand le ciel tombe, on se retrouve souvent seul. On pense à notre futur, on se demande si demain sera ok. Je suis un jeune homme qui aime la vie remplie de rêves. Pendant que ma mère m'appelle me demandant bien si je mange. Mais je lui réponds que pour le bif j'ai jamais fait de trêve. Je tourne en rond pendant des heures pour finir sur mes chaînes. Le poids de la responsabilité change une fois que tu pèses. Je me tais, je me dis que je vais y arriver. Tout en me rappelant que j'aime la vie remplie de rêves. Quand le ciel tombe. Bonsoir YouTube, bonsoir Twitch. Hop, on se retrouve ce soir pour un live Better MC. Alors, il y a eu
depuis la dernière fois. La dernière fois, qu'est-ce qu'on avait fait? Alors, je reçois des messages sur Discord, je comprends pas ce que c'est. Ah, du coup, oui. Comment? Du coup, la dernière fois, qu'est-ce qu'on a fait? J'ai même du mal. Je crois qu'on n'avait pas fait grand-chose de souvenir, je crois. Je pourrais même pas vous dire qu'est-ce qu'on a fait. Ouais, ça va être compliqué. Mais là, ce soir, au moins, je peux vous dire ce qu'on va faire ce soir. Du coup, oui, au vu du live d'Arou l'Exploratrice, on va aller dans le Nether, farmer de l'XP, un peu découvrir les nouveaux mobs et tout dans le Nether. Et comme ça, on va pouvoir voir comment ça se passe. De ce que j'ai entendu, certains sur, sur le serveur, Monsieur Creeper et je crois Monsieur Pingouin, sont allés farmer un peu dans le Nether. Il y a beaucoup de nouveaux minerais. Certains sont équivalents au charbon, au fer et tout. Du coup, on va voir. On va voir ce que ça vaut et essayer de faire des enchantes. On va surtout, j'ai oublié le just chatting. Voilà. Du coup, oui. On va aller. On va aller sur. Sur Minecraft. J'ai lancé le jeu. Je vais juste. Hop. Ouais. C'est pas la même musique, ça. Voilà, plus musique d'ambiance. Voilà. On va aller sur Discord aussi, j'allais oublier. Bonsoir. Bonsoir, le Darouzen. Comment ça va? Eh ben ça va. Ça va bien et toi? Ça va, ça va. Hop, prêt à poser des cubes. De ouf. Toujours heureux de jouer à Minecraft. Ça va aller crifter sur... dans le Nether. Ouais, moi ça va planter des arbres quoi, comme d'hab. Ça va faire poser des blocs de terre. Ouais, hier soir j'ai pas fait de live, mais en vrai ça aurait été trop chiant. Hein. C'était vraiment horrible la session que j'ai faite. Hein. J'ai farmé de l'XP pour mourir comme une merde. Et du coup j'ai oublié de dormir dans le lit de la base. Du coup j'ai respawn au spawn de base. Et j'ai croisé Paul sur le chemin. C'était... Paul. Ouais, Paul il est venu vite fait jouer hier. Mais vraiment très vite fait. Hein. Il est venu jouer, il s'est fait buter par un crocodile. Il a essayé de le buter, il est remort. Il a essayé de le buter, bah, et après il a contourné et il est parti. La vie de Paul gameplay. Pourquoi il y a une couille, la couille violette sur ah, c'est le pouvoir du Sherman là. Ouais, mais pourquoi? Quelqu'un me l'a donné? Ouais. Ah, merci. Ouais, parce que... Non, mais parce qu'en fait... J'ai compris, en fait, du coup. C'est quoi? En fait, quand tu meurs, ces objets-là, ils drop. Tout ce que t'as dans l'icône arc va drop par terre et du coup, ce sera pas dans ton cadavre. Donc, ils disparaissent. Ah oui. Ah ouais, du coup, faut... Ah, c'est embêtant, ça. Putain, t'as pas le même son que d'habitude putain. Piotr, j'ai du mal ce soir. Ouais, je suis... je suis sur téléphone. Ah. Je suis en vrai, là. Il est en mobile. Ouais, je suis en vrai. En vrai, je vais poser la boule du coup. Je vais pas la prendre sur moi. C'est pas terrible. Bah non, mais c'est plus organique quoi. Ouais, voilà. Ouais, ça résonne un peu. On va dire ça. Ok, bah attends, si tu veux. Alors, on va mettre comme ça. Tu m'entends mieux? Bah, merci Dodo. Ouais. Ça faut que je vois. À chaque fois que je joue à Minecraft, je reçois un message de Microsoft là et du coup on entend la notif derrière là. Ça me saoule. Du coup ouais, Gabin, c'est bon pour le frigo. Ok. Ouais, c'est bon. En vrai, c'est un avoir. Comment avoir un frigo dans Minecraft? Bah si seulement. Bah en plus je vais voir si on peut en crafter un. Non, par contre on peut avoir un bucket of frilled shark. Voilà. Wow, ça t'aide? Y a trop d'infos là, tu passes du cul à coque. Non, y a pas. Congélateur peut-être? Trésor? Non. Non, ouais, du coup, en fait, le frigo, j'ai vu, parce que du coup, avec Kevin, on va emménager. Et. Du coup, moi, j'ai commencé à chercher de mon côté, et lui aussi, pour de l'électroménager. Je sais que la daronne peut m'avoir un congélateur. Oui, Kevin m'a dit, sauf que moi, ce que j'ai trouvé, c'est un frigo congélateur. Ah voilà. Il a gagné 120 balles. Ouais, mais après, est-ce que le congélateur sera assez grand, quoi?
Bah après on va pas, on est que deux, on est que deux quoi, c'est pas non plus on va pas mettre 20 000 trucs, c'est ça aussi. Enfin après le mien il est gratos quoi. Bah t'as qu'à le prendre, connard. Bah non, j'en ai déjà un. T'as qu'à mettre deux têtes dedans là. Bah t'as qu'à le vendre. Eh bah il est pas à moi. Va te refroidir les idées là. Juicy mais... juice. Mais oui, du coup, 120 balles. C'est vraiment à côté, hein. C'est à côté de, du stade de Carmadio, le mec il habite. Oh. Du coup, c'est pour ça le pote à mon père il a fait ouais, c'est bon. Je prends pas. C'est quoi la crémaillère Alors, normalement, si tout. À voir, mais normalement le 17. Ils sont pas encore rentrés dans la maison qu'ils ont déjà organisé la. La crémaillère. Non, c'est un crémaversaire. Attention. Ah oui, parce qu'il y aura ton anniversaire aussi. Oui. C'est pour ça. Oh. Ah, sympa. Genre, pour Mathis, t'as prévu un beau cadeau et moi, j'aurai rien. Ouais. C'est vrai. Super. Ça va. Ouais. Moi, j'ai des idées de cadeaux, enfin bref. Enfin bref, moi, j'ai des idées. Un cinquième nain de Jordan. un petit saut de. Ah. Voilà, c'est tout, mec. Je vais t'offrir un seau de... Comme ça, tu pourras en mettre dans ta chambre. Je vais t'offrir une maison, mec. Ah, bah ouais, je dis pas non. Pour la mettre dans le jardin. Non, on a déjà, offre-toi une maison, Piotr, et après... Oh, c'est qui c'est toi, Gabin, qui a planté le maïs? Non. C'est qui? Pourquoi moi? Oh là là, mais Dorian, mais c'est un amour, c'est une petite crème. Je vais m'occuper de la refonte des champs, histoire de les faire un peu plus propres. Parce que, mec... Là du coup je peux faire... Oh je peux faire du riz cantonais, je peux faire du riz sauté. Ah et là du coup j'ai... Je peux faire du maïs fumé. Je peux faire une petite salade copieuse, non. Ok Maïté. Non bah du coup en fait... Oh là là mais c'est bon. La quête de l'aubergine s'intensifie. On peut choper des avocats et des concombres. Mais mec on va faire... Ça va être un... ça va être un verger en fait. En vrai, je pense oui. au pire on diminue le blé et après on peut mettre les autres. Si, parce que en vrai, après le blé celui qui est devant, on peut le laisser mais ce qui est à côté là où tu es là, ça sert à rien. Ouais. Le blé, ça, en vrai tu me snipe pour faire du pain, c'est long. Hein. Oh des petits et du coup le maïs ça peut être bien aussi. Bah maïs, tu peux faire tiens, regarde, tu peux faire des caisses. Tu peux faire bah les caisses, vaches, les caisses. Je suis dégoûté. Les vaches, je vais peut-être essayer de trouver, non. Mais je sais pas quoi. Quoi, je pense qu'en fait il meurt tout seul de... parce qu'il y a trop d'entités sur le serveur ou je sais pas quoi. Parce qu'il y a plus de cochons non plus. C'est vrai. Ah ouais, non mais en vrai c'est relou un peu là les mobs, les trucs. Y a rien en fait. Le jeu il est tout vide. C'est trop bizarre. Match, hein. Et on peut pas augmenter ça. Match too much. Hein. On a encore des poules au moins. On va les perdre aussi comme le reste. Bah hier soir on en avait deux. Bah là on en a 3. Et bah c'est super, voilà. Bah nique. Oh, y'a plus rien. Ouais c'est si on a... chiant bah, en fait. Bah mec si on a des trucs frère, on a 2 moutons et 3 poules. Ouais c'est génial, on a une ferme avec 7 animaux. Bah non 5 mais 5 mais... Kevin et Mathis ça compte à peu près. Hein. Oui c'est ça. Mais ils sont pas cool alors. Mais y a pas un moyen de faire en sorte qu'ils arrêtent de despawn, je sais pas, en mettre moins... Un name tag, sinon. En mettre moins ouais, ailleurs. Ouais, enfin, on va pas faire 30 name tags. De toute façon, c'est incraftable, les name tags, faut les choper. Et c'est pas, y a pas un réglage du mode qui peut faire en sorte que... Bah, on a déjà fait un peu le tour, non. Ouais. Ah. Et bah, c'est un peu chiant, quoi. Ah, c'est reparti mon kiki. Oh merde, rebelote. Oh bon, mon Minecraft ne se lance absolument pas. Coup dur pour Guabin. So long? So long et Bowser. Je vais essayer de faire des. T'as essayé de relancer le Ligma ou pas? Ligma Balls. Oh my god, il l'a eu. Il l'a dit. Il l'a dit, il a utilisé les mots. Il a dit les termes. Alors. Je précise qu'on agrandit plus la base, j'ai trop la flemme de refaire les murailles. T'inquiète pas, je comprends. Bon, comment ça, bro? Non, terminé, mec, on agrandit plus du tout, c'est dead. Trop déçu. Trop envie de crever. Bon, on va le faire, t'inquiète.
Bah moi j'aurais bien voulu le faire de base, mais je savais pas trop comment faire et c'est un peu... C'est pas mon voilà, domaine. C'est pour ça. C'est pas mon domaine. On est jamais mieux sérieux que par soi-même. Constructeur de murailles depuis 2003. Très précis. De boulanger. Très précis. Pourquoi qui c'est qui a fait de la pâte de blé dans mes coffres? Ou c'est moi? Non, j'ai pas fait. Genre y a un gars qui fait à manger dans ma cuisine là. Genre ça c'est... Ce gars qui fait la cuisine. Oh. Ce gars là. Faut que... Internet. ADSL. Je peux citer plein d'autres mots encore une fois si vous avez envie. Des mots de geek? Genre? Ouais, des mots de geek par exemple. Écran. Computer. Scooter. Scooter, c'est pas très geek. DualShock. DualShock. Non! Dorian, c'est bon, j'ai retrouvé. Mec, je suis trop autiste, mais c'est dingue hein, à quel point on peut être neuroatypique à ce point-là. Hein. C'est bon, j'ai retrouvé les graines d'aubergine. Ok, Sean Murphy, quoi. Ah oui, d'accord. J'ai retrouvé la graine d'aubergine blanche. Putain, c'est... Et ouais, du coup, c'est moi qui avais fait de la pâte à cookies pour faire des dumplings. Non, de la pâte de blé. Mais pour derrière, en faire des dumplings. Et c'est quoi, des dumplings? Je sais pas comment ça se dit en français. Ça ressemble à quoi? Désolé, le gars qui mange que des pasta box, quoi. Ouais. attends. Dumplings. Je dirais des raviolis vapeur à moite. Attends, mais les raviolis... Du coup, t'as utilisé du chou et tout? Non? Ouais, mais j'ai fait planter avec Putain, c'est vrai. Il faut faire un élevage de moutons. Parce qu'on peut faire... On peut faire des... Les gars, on peut faire des wraps. Hein? Voilà. Ouais, de base, je vais me faire des burritos. Puis après, j'ai vu qu'il fallait des œufs. Je t'arrête. Ah, putain, flemme. On peut faire des burritos? Ouais, mais il faut des œufs. On peut faire un sandwich de poulet. Faire un hamburger à l'aubergine. Un hamburger. Sandwich au bacon. Ah d'ailleurs, je vais voir comment avancer parce que j'ai commencé à faire un petit élevage de champignons. Du coup, il n'y a pas de lumière. Du coup, il y a moyen qu'il y ait des mobs. Oh, c'est trop chiant qu'il n'y ait pas de mobs, que tu despawn là. Ou sinon, c'est un truc... C'est un de nos mobs qui les a butés, mais... C'est pas possible. À part les dragons, je vois pas ce que ça pourrait être. Mais les dragons, ils attaquent rien. Sinon, ils nous auraient déjà attaqué, quoi. Attends, c'est normal que je vois, il y a encore des fourmis dans la base. Quoi ? Des fourmis ? Ouais, non, t'inquiète, c'est rien, ça. C'est bon, elles sont mortes. Non, t'inquiète, c'est rien. C'est une expérience qui a mal tourné. Ok, dites-moi en plus. En fait, on avait des larves de fourmis. En fait, ouais, j'ai trouvé un truc. C'était trop bizarre. C'était un truc de fourmis. Et Dorian, il m'a fait c'est pour faire des ruches. Bah, des nids. Des fourmilières, voilà. Je trouvais pas le mot. Et du coup, en fait, je l'ai planté. Gros nul. Ah, sympa. Et du coup, je l'ai planté. Et en fait, t'as plein de fourmis qui sortaient. Et elles ont commencé à bouffer un arbre. Genre, si tu viens là, tu vois que l'arbre, il est commencé un peu à être mangé. Bah, en fait, les fourmis, c'était des fourmis coupeuses de feuillage. Et tu les voyais en train de faire des 3-6, en train de récupérer les feuilles et tout, et elles se barraient. On fout le 3-6, quoi. Putain, quoi. Ah, on quoi, peut... C'est un truc de malade. Ah ouais, t'es obligé de casser les trucs d'aubergine blanche pour choper les graines. Le clic droit, il marche pas. Ouais, t'as vu? Je suis pas fou! Ah, mais là, du coup, j'ai eu les graines. Moi, je les avais pas vues. Ah, tu mens. Bah, je les ai peut-être perdues. Ah. Ou sinon, il était peut-être plein. Comme Gabin a l'habitude d'être plein, et du coup, il a pas récupéré les graines. Mais ils avaient peut-être. Pauvre Gabin. Peut-être aussi. Pauvre Gabin l'ivrogne. Moi, je suis en plein, mon gars. Exactement. Tout en rabat. Du coup, on a 3 aubergines blanches et ça, on peut faire juste les fumer. Voilà, un peu déçu quand même. Et ah putain, c'est vrai. Y a pas de mob. Comment?
Dis-moi tout. Il y a même pas de mob gentil, il y a même pas de mob méchant. Tout à l'heure, quand je suis sorti dans le monde, je me suis fait péter la gueule devant l'entrée de la maison. Bienvenue dans le monde réel. Des zombies, des squelettes et deux Undermen. Les Undermen, j'ai vu aucun Underman en 3 semaines de game. Mais... Si, moi j'en ai vu, mais très peu. C'est là pour le coup. Si, c'était dans le plateau de Guyane, là, avec le temple. Parce que du coup, je repassais par là pour rentrer à la base. Là où il y avait le temple de Silverfish, ça, le biome ça s'appelle Plateau des Guyanes. Et là, t'as beaucoup d'Underman. Il y a littéralement. C'est un No Man's Land. Mais non, arrête, gabin. Mais mec, viens dehors, je suis en train de chercher une vache, mec. Je suis allé à 500 blocs, il y a même pas un mob, quoi. Ouais, non, mais je vois sur la carte, t'en fais pas. Hein. Au moins, tant qu'on a encore les lapins, c'est ça. Ouais, ouais. T'as vérifié? Oui, bah on les voit sur la carte, ils sont encore là. Putain, j'en ai marre. Ouais, là, il y en a encore plein. Bon, vas-y, bah moi, je vais dans le Nether, du coup. La tour, elle augmente pas beaucoup, hein. Bah, je ouais, crois... Ouais, mais les gens, ils sont pas des terres à bulles, j'ai l'impression. Normalement, après... Kevin, on avait vu normalement après c'est Matisse et après Matisse c'est Kevin. Ça va ou quoi? Bien et toi? Ah, le jeu a planté. Ça roule. Je bug. Ah non, c'est bon. Ouais, c'est le serveur. Ah, excuse le serveur. Mais ouais, du coup, normalement après Piotr. Non, mais parce que j'ai planté. Après Piotr, après l'étage après de Piotr, c'est du coup Matisse et après Matisse c'est Kevin. Bah Kevin c'est le dernier étage, parce que j'ai jamais construit une maison entièrement de toute sa vie sur Minecraft donc... Bah moi je comptais faire si, après... Si ça m'est arrivé. Ah ouais? Des fois ça m'est... Oh des fois... Ouais c'est quoi ça? Mais pas tout le temps en fait. Sur l'ordi de la mezzanine. Quand il y avait plein de villageois qui avaient baisé. Et Boom Beach. C'est qui Hamed Zanine? C'est le streamer. Tu fais trop de hacks toi. C'est qui lui là? Je me fais attaquer par un zozio bleu. Un zozio bleu. Moi c'est injouable, je lag comme un porc. Si, appelé en anglais, Zazie Blue. Mais vas-y, je peux pas attaquer. Gabin, est-ce que t'as fermé ton logiciel de montage? Non justement, mais j'ai une mise à... Enfin j'ai un truc en export. C'est pour ça que ça lag. Ça lag mais de fou. Genre c'est image par image, y'a un zombie là qui est en train de m'enculer. C'est pas top. Son ex la truie. Quoi? L'export là. Son ex la truie. Fetch Mère Miss Zersouz. Ah, export, ok, ouais, oui. Mon ex la truie. En effet. En effet. En effet. Allez, bisous. Je l'avais pas beaucoup non plus. Hein. Je veux pas. Export, ouais. Enfin, ouais. J'en ai marre. Allez, cheat le jeu. Bon bah bisous les gars, bonne soirée. Ouais. Tu reviens après quand même? Non, j'arrête Minecraft. Ah. J'arrête la vie. J'arrête YouTube. Bonjour, j'arrête mes tapes. Salut, je reviens dans la. Mais il me saoule ce putain d'oiseau bleu, on peut pas le buter. Mais en fait, c'est un phénix, il renaît de ses cendres. Tu devrais te faire un tatouage, bro. Ta gueule. On bûche personne. Oh. Bon, allez, j'annule l'export, on verra ça demain. Hein. Normal si mon PC fait du feu. C'est stylé comme option. C'est nouveau, t'inquiète. Ok, c'est nouveau, c'est la nouvelle. Et bah c'est super. C'est un nouveau mode. Quand j'arrête la cigarette et que je veux changer du tabac, et ben je tire sur ma C. Voilà, j'arrête. C'est qu'il est mort là. Voilà, ça lag plus, c'est beau, c'est good. C'est Gully Good. C'est Dr. Phil Good. Je change le mot comme ça. Non mais c'est marrant parce que on me dit ouais Alan, y a plein de nouveaux minerais dans le Nether, farmer l'XP, c'est vraiment tip top, ma bite ouais. Je vois rien. Super. T'es un rageux. Moi rageux, demande à mes potes. C'est dingue. Je lag, c'est dingue. Pourquoi il parle comme The Dude lui? Est-ce qu'il y en a qui ont de la dirt les enfants? Normalement dans les coffres, dans mon coffre avec mes livres enchantés, t'as... Dans un coffre enchanté?
dans mon coffre avec mes livres enchantés, il y a quelques blocs de dirt. Parce que je voulais faire de la terre fertile. Ok mec. Je vais pas pouvoir jouer avant d'avoir mon PC. Hein. Donc là il faut que je de toute façon ça bug pour tout le monde. Coffre de merde. C'est le coffre avec le panneau zen dessus. Je peux pas bouger moi. Il est où? Près de la cuisine. Moi je peux pas jouer. À côté de sa cuisine. Mais pourquoi il y a pas tous les coffres dans la même salle? Parce que ça c'est mes coffres. Près de la cuisine. Ah Darou zen, ok. Mais c'est le coffre zen. Je te pique un peu de terre. Vas-y. Prends-la toute. Je remplace par. Cette game n'est pas zen du tout. Non, remplace par rien du tout, s'il te plaît. Ok. Je vais rien remplacer du tout, mec. Merci, bro. Tu gères. Alors, du coup, on a plus de mobs. Enfin, on a plus de vaches, plus de. Alors, du coup, je sais pas si je. Parce qu'elles sont parties en RTT, bro. On pense que ça despawn par rapport au mode. Et du coup, c'est un peu relou. Du coup, je sais pas si je me déterre à aller en récupérer ou pas. Bah moi j'avais de la chance parce qu'elles étaient chiant, à côté de la base, mais là faudra aller plus loin. Hein. Ça me saoule en vrai que... En vrai ça c'est un truc qui me saoule. Y'a pas de mob, et du coup je trouve que le jeu là ça sert à rien. Y'a aucun méchant, y'a aucun gentil. Mais tu t'en fous quoi. Y'a un je m'emmerde clairement. Aller les chercher les mecs. Oh c'est trop bien. Je viens de voir y'a un gobelin. 15 000 blocs, on les gars. Des bateaux et tout. Les gars y'a un gobelin du Nether. Mec, tain, c'est trop bien si tu lui donnes 4 débris antiques, il te donne 5 fragments de netherite. Attends, tu nous as interrompu pour ta merde là? Oui. Mais c'est un gobelin du nether. C'est bon, tu casses les couilles Dorian là. À 2 ans de retard, gros. Même Kevin, il l'avait déjà vu. Mais oui, c'est ça. Ah ouais, même moi. Je te promets. Je crois pas aller. Après, je suis mort dans le désert, j'ai tout perdu. Ah, sale merde. Exactement. Après, Dorian, il a porté le nain. Le gnome. Dorian, le nain. Il a fait la découverte du portage de gnome. C'est Dorian qui porte le gars. Du coup. Elle est morte, celle-là. Tous vos fours qui sont dehors, là, ça dégage? Oui. Et vos tables d'enchant posées au milieu, là? Pareil? Hein? Bah, faut le dingue, l'étage. Ça. Faut faire une bibliothèque, il faut qu'on crée une bibliothèque magique. Ouais, faudrait que prochaine game piotre la fasse quoi. Ah oui, vous voulez faire sa tour là? Ouais, mais lui il va faire un truc gigantesque là. La tour gargantuesque de Piotr. Si on fait en coin de la map. La map au coin parce de, qu'il veut faire une tour. La muraille. En fait, il y aura une tour pour la table d'enchant. Et une forge. Et on fait pas un étage. Il n'a déjà pas beaucoup de place. Bon, je sais pas moi. Un étage d'enchant en fait, comme on avait dit quoi, une tour avec. Parce que. Ça fait stylé, ça fait deux. Parce que la tour elle avance pas beaucoup quoi. Ouais, pourquoi on va pas faire un étage enchant? Ouais, genre étage enchant, truc comme ça. Bah, quoi. C'est un peu casse-couille de faire une seule tour quoi. Ça. Ok. Tout simplement. Ok, du coup on en fait 3. Ouais, bah sur les extrémités, tu vois, sur les coins. Ouais, dans les angles. Okay. Bah là par exemple, pas forcément faire des trucs grands, mais genre faire déjà un bâtiment, une espèce de petite tour, tu vois, un truc comme c'est ça. C'est ça, ouais, genre bah un peu comme la tour du sorcier, quoi, mais en mode un peu plus petit, quoi, genre oui, c'est quoi ça? Pourquoi y a des trucs bizarres dans le Nether? C'est Clash of Clans. Bah là, oui, frère, c'est Clash of Clans, là j'ai trouvé la cabane de l'ouvrier. Hein. Aïe. Moi j'ai trouvé la cabane de Fred, là, au secours. C'est l'an, mec, toi, t'as trouvé la cabane de Fred Testo. On a juste le même ref et. Attends, ouais, la cabane de Fred Testo elle est énorme. Moi c'est ce que j'ai entendu, hein, juste en mode pardon, mais pourquoi Fred Testo? Ah ouais. Bah voilà. Eh bah c'est super. Bon bah. Discussion. Tchou bisous. Profond. Non, le quartz. Quartz. Salut, c'est le quartz. Ça dit quoi? Mais vas-y, mais pourquoi quand j'ai. Ah bah. Le cadavre de Monsieur Creeper. Il a full pioche de fer. Super. Bah, j'ai trouvé un Maccabée dans le Nether. Maccabée. Ça, c'était au moment où il essayait de retrouver son cadavre. Oh oui, sûrement. C'est pas moi. Moi, je suis pas full pioche de fer. Mais putain, mais. Il a dit Monsieur Creeper. Oh là là. Va falloir acheter un casque aussi avec le PC. Faut un PC chez l'ORL quoi.
Aurel. Chez Aurel. Aurel Sang. Ah bah ouais, il est mais... sur Rainbow. Hein. On pourrait passer, lui faire une claque et une petite bise. Putain, ça, je crois que je vais pas traîner longtemps sur Minecraft. Hein. Quoi, ça lag encore ? Moi, c'est pas que ça bug, moi, c'est que c'est injouable. Vraiment, genre, mon PC. Mais pourquoi c'est injouable maintenant ? Avant, tu pouvais jouer ? Oui, mais depuis quelques jours, ça veut pas. T'as pas des trucs en arrière-plan d'ouvert ? Regarde. Ah, vraiment, je limite tout. J'ai tout regarde, optimisé, non, mais regarde. J'ai réduit. Ouvre, ouvre ton gestionnaire de tâches et regarde, au cas où. Ouais. Il y a peut-être Boom Beach sur... Ah putain, c'est le chat roulette. Putain, mais ah, mec, oh là là, mais j'ai tellement de la chance de trouver, d'avoir des gens cons sur ce serveur. Là, Matisse, frère, il est passé à côté de la tour, là, il est mort comme une merde. Bah, il y avait un fragment de netherite dans un coffre. Mec, t'es en train d'insulter tes collègues de travail. Ouais, bof, bah, rien à foutre. Du coup, ça fait des débris de panthérite. Ensuite, tu veux faire un panthérite ingot. Et tu fais quoi avec le panthérite ingot? Une armure de cheval, super, rien à foutre. Ah, tu peux faire passer ta netherite en panthérite. Et c'est mieux? Ouais, un peu mieux. Un chevau! En fait, la netherite a plusieurs évolutions avec plusieurs minéraux qui ont chacun leur bonus. Et tu peux même faire de l'ultimérite qui aura le bonus de 7 de tous les autres versions de la... Ok. Et c'est bien la panthérite, par exemple? De rien, la culture. Mais vraiment. Dorian, l'omnipotent. L'ultimérite, t'as dit ? Ulti. Ultimérite, ah ouais. Et on fait un lingot. Ah ouais, putain, faut un. Waouh ! Waouh, ok. Ah ouais, c'est très fort. Ah ouais, c'est cher, hein. Il faut un lingot de spiderite, un lingot de fezerite, un lingot de fanzerite, un lingot de wizerite, un lingot d'anderite, un lingot de prismarite, un lingot de golderite et une étoile du nether pour faire un lingot. Waouh, oh, mais c'est abusé, mec. Et quand il s'appelle, il faut être Ultimérite, et ce qu'il dit Dodo, c'est genre le Dodo. C'est le minerai le plus gueule, hein. C'est le plus fort des minerais, en fait. Ah ouais, ouais, c'est l'un des minerais le late game. Attends, l'un des minerais, il y a plus. Bah, t'as d'autres trucs qu'on connaît pas, genre par exemple The Abyss, qui est un mode que je ne connais pas, c'est vraiment pété à ce fuck, hein. Quand tu regardes les armes, t'en as une qui tape à 40 et qui a 2 de vitesse. Hein. Ah mais mec, on a une épée en diamant qui fait 9, on est heureux. 40. Ouais. Non mais... Les gars, j'ai trouvé... De fin, Minecraft, on l'aura fini dans 10 ans, c'est à dire, mec. J'ai trouvé des verrues du nether. Ah, ça brûle. Ouais, du coup, j'ai trouvé des verrues du nether, on pourra faire des popos. Madame. Comment ça Bah, on pourra faire des potions avec. Avec ma verrue plantaire. Bah peut-être. Il y en a déjà dans les coffres. Ouais. C'est interminable. C'est peut-être les verrues plantaires de Fred Testo. Ouais, dans sa cabane. Voilà, on a le nom de la verrue dans une cabane. Darou l'exploratrice dans la cabane de la Fred Testo. La verrue de Fred Testo. Les verrues de Fredo. La verrue de Fred Testo. La verrue. Ah oui, il en a qu'une. Il parle à sa verrue. Ah ouais, bah après là c'est du RP verru. RP verru. Le acteur en français, la verru. Fin. C'est tout. C'est nul. Bah, celui-là, là, celui-là il est bien. C'est là, là. Meilleur double. Il pleure. Oh. Cherche quelqu'un pour jouer une verrue dans un film. Allez, la pêche là. On y croit. J'ai pêché quoi? J'ai pêché fer. Bien joué. Allez, je rentre dans mon inventaire, ça crache. C'est un mec, c'est un truc de ouf. Ou dans le dos. Je voulais vous poser une question. Oui.
Israël ou Palestine? Non. le sondage à ne pas faire sur Insta. Même sur Twitch, hein, actuellement, je pense. Alors, on va lancer un sondage Twitch, tout de suite. Hein. La team, plutôt Israël ou Palestine? Histoire qu'on sache qui, avec qui on traîne plus trop, et puis... Faut vraiment comprendre. Tac, tac, tac. Fais de l'amour, pas la guerre. Oh putain, le mec est trop engagé, quoi. Et qui, t'es quoi, t'es en faisant l'amour? T'es anonymous ou quoi? Che Guevara. Ok, Che Guevara, mec. Il est trop engagé, mec. V pour Valan. Je suis pas trop la ref, mais ouais, c'est... V pour Varouzen. Ah oui. Ah oui, oui, oui. Celle-là, elle est bien. Celle-là, elle est bien. Bah du coup, je suis un peu le seum qu'il n'y en ait plus d'animaux. Bah un peu beaucoup, quoi. Un peu beaucoup, ouais. Les gays Viagra. Tu sors de la base, tu t'emmerdes. Tu veux faire une ferme, tu t'emmerdes. En fait, on s'emmerde un peu, là. Minecraft better, ah, c'est pas mec, très better. Hein. Mec, tu pourrais faire des vidéos, genre, et les appeler bref. Parce que on dirait un peu ça, quoi. Salut, c'est... Vous voulez que je fasse un épisode de bref, là, en direct? Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. Le soir, j'étais où? J'étais en train de manger un kebab. Bref. Je mangeais un kebab. Oh! Ma mindfuck. Moi aussi, je mange des kebabs. Non, comment il sait? C'est parce que je suis frère testo. Je suis Fred Tiesto. Moi je suis pratiquant. Fred Tiek. Ah. Et toi tu es pratiquant. D'accord. Pratiquant de Fred Testo. Il pratique le Fred. Et... Dieu, Fredding, là. Parfait. Une danse ou un truc. Est-ce que Fred il peut boire du mercure ou pas? Un jot Fred Platin. Ah Fred du mercure. On fait un petit concours d'imitation. Allez. Ouais. Moi je suis chaud. On doit chacun notre tour donner une imitation à faire à quelqu'un. Alan, tu commences à imiter. On lui donne quoi à imiter? Pourquoi moi? C'est moi qui commence. Ouais, ouais c'est super les. Bah moi je veux que ce soit dans l'ordre parce que c'est lui live. Qui. C'est toi okay, qui tiens les rênes, c'est ton live. Alors. Je veux bien être le wiki, mais j'ai pas les mêmes rêves que vous. Hein. Genre Fred Pesto, là, je connais pas depuis tout à l'heure. Pesto mais, tu connais pas Fred Testo? La cabane de Fred Pesto. C'est d'alerté. C'est son cousin italien. C'est tu vois le téléphone rouge, comment c'est le service après-vente. Le service après-vente. Ah, service après-vente des émissions. Ouais, c'est ça, avec Omar Sy. Le téléphone rouge, quoi. Voilà. Ok, ok, ouais, je vois. Bah, c'est Fred Testo, avec Omar Sy. Ok, d'accord, je sais pas. Des émissions. C'est ça. Voilà, bah, c'est Fred Testo. Fred Pesto. Alors, du coup il imite qui? Fred Pesto, du coup. Il imite un emballage de papier, de bonbons. Waouh. Wow. Ouais. C'est super. Ah, vas-y, putain, mais Fred Testo, c'est qui doit imiter? Tu dois imiter. Bah, je sais pas. Testo, moi. On en parle tellement. Il... Mais il le connaît pas. Putain, il est bourré ou quoi? Pourquoi Alan il double pas Mais frère, je. Mais dis... il est con, on dit. Oh. Moi j'ai dit Fred Testo comme ça. C'est juste. Je parle de Fred Testo parce que j'ai compris qu'à un moment, gamin, il avait dit Fred Testo. J'ai mal compris. Mais je sais même pas qu'est-ce qu'il dit de particulier, Fred Testo. Je regarde pas. Putain, un câble. Je vais péter un câble, ça fait une demi-heure qu'on parle de Fred Testo. Attends, mais attends, si, il dit pas. Mais moi je connais pas votre Fred Testo. Fred Testo, non mais ça va. Mais bordel, putain. Je suis pas le pain de ton fils. Je crois que j'ai un truc qui dit Fred Testo. Vas-y. Super connard. Ouais, c'est moi. Ah putain, GG mec. Je ferme les yeux, vas-y refais-le. Super connard. Ouais, c'est moi. Ouais. Quoi? C'est de morgue. C'est bizarre. Oh Dorian, je vais te faire la morgue. Je vais te faire la morgue.
En gros, pour les... Pour... Non. Pour les viewers, en gros, c'est Morgue, du coup, d'où la blague. Voilà. Et son adresse, c'est 8... Caca. Son numéro de carte bancaire, c'est... le pain... 2, 4, 8... Le 92. 2, 4, 6, 8, 12, 13, 14, 13, 12... Son IBAN, c'est... Le 24. Son IBAR, c'est... c'est, deux... c'est un nombre. Voilà, vous avez un IBAN. Non mais je vais vous suicider là. Suicidez-le quoi. Suicidez-le. Anthracite. Okay, ah oui, et du coup l'anthracite. Tu nous fais Scooby-Doo. Tu nous fais Scooby-Doo. Tu nous fais Luigi, mec. Montre-nous comment tu fais Luigi, mec. Ok. Oh, voilà. J'essaye de mettre une âme au live et Kevin il casse tout. Il l'a vraiment fait. En fait, Luigi, je vois pas comment l'imiter à part en imitant Mario, quoi. C'est la même. Bah, pas du tout, mec. T'as déjà joué à un jeu ou quoi, mec? Ouais, mais justement, c'est un film. Avec... Il a dit le prénom Luigi. En même temps, il se présente. Même dans les jeux vidéo, il se présente tout le temps. Luigi. Le joueur a peur de mal le doubler lui-même. J'avoue. Ils peuvent récupérer sa voix pour tous les autres jeux après. Oh, un champignon. Non, en tout cas, c'était sympa. C'est un bon moment, oh non, c'est le champignon poisonneux. Quel dommage. Oh non, putain, j'appelle Fred. Je pense, c'est vrai que Luigi et Mario, c'est quand même le seul doublage où ils se présentent, quoi. Ils se présentent. Bah non, bah Luigi, ouais, pareil, ouais, c'est Mario. Vrai. C'est vrai que le Pokémon n'existe pas, quoi. Il y a vraiment les Pokémon aussi, ouais, vraiment. Oui, aussi, ouais. Juste... Bah oui. Pourquoi moi j'ai pas compris pourquoi les jeux vidéo ils font des bruits de prise jack et ils disent plus leur prénom. C'est quoi? J'ai jamais écouté les bruits de Pokémon dans les jeux vidéo? Même dans les derniers? Non. Ah ouais? Oui. Mais... On a rien entendu, mec. En fait, Kevin, tu as le réduction du bruit sur Discord. Du coup, dès que tu fais un onomatopée, on t'entend plus. Oui. Mais après, ça fait que 20 fois qu'on dit qu'il faut le désactiver. Mais après, il n'y a pas de souci, l'équipe. Je crois qu'on avait déjà vu ça. Et en fait, je sais plus, vous m'avez dit qu'on entendait tous les bruits de fond ou je sais pas quoi. C'était pour. Et donc, on avait vu ça en début de game. Bah. C'est pas bon. Vous voyez, il y a des bruits de gouttes, c'est trop bizarre. Oh, il y a encore un donjon! Trop bien! Ouais, putain, il est plié. Bah, en fait, comme j'ai des. Comme j'ai encore activé la réduction de bruit, j'étais en mode. Dorian, c'est quoi un Netherite Monstrosity? Ah, c'est. Coucou, quoi? Attends. T'as ça à côté de toi là? Oui. Je. J'arrive. C'est-à-dire, ouais, non, mais s'il donne un truc bien, c'est à moi, hein. Non, mais je veux me taper un boss, en fait. Mais pourquoi tu veux taper ton boss? Enfin, je comprends pas cette manie que vous avez tous, là, à vouloir vous taper votre boss. Enfin, vous êtes chelou, les gars. Ouais, je suis un bébé. Coup, là, c'est bon, là, les gars. Parce que si je fais ça... Il y a le bébé de Fred Testo. Non, là, c'est bien. On reparle un peu. Faut faire des phrases, du coup. Ah, là, là. Oui, bonjour, je suis Kevin Le Bouter. Je suis un Pokémon. Pourquoi y'a Dark Vador? Ouais, j'ai un autre temple. Oh, je suis en 4... T'es en train d'essayer de te taper le boss? Non, je suis en train de descendre. Pourquoi, il est fort? Bah, je pense qu'il est fort, ouais. Je pense qu'il est fort, ouais. Désagréable. Horrible. Ouais, j'ai des... Je veux pas dire, mais... Oh ah, en fait, qu'on a tenté un boss Bah vas-y, viens. Moi je fais plus de boss, hein. Ça fait générer trop de trucs et mon PC il fait ciao et du coup j'ai pas le loot. Je pleure. Et du coup viens m'aider à faire la muraille, bro. Tu fais quoi toi? Je pêche pour choper de... d'autres lingots de... Alors de je répète, on n'agrandit plus la base, j'en ai ras le cul de faire des murailles. Oh le mec. Là c'est super grand, vous allez arrêter de me péter les reins là.
péter les roubignoles. Ah, une petite dernière, quoi. Un bloc de quartz, ça, on s'en fout. Vous avez qu'à faire des trucs avec Quark. Plein d'étages plutôt que des champs pourris, là. Manger, il a planté. Mais on est où là? On est au zoo quoi? C'est quoi tous ces bruits? C'est là le zoo de Beauval? C'est le zoo de Beauval, Antine? Pas marrant de la blague. Non, pas vraiment, Alan. Pourquoi il rigole? Mais en fait. Oui. Mais. Vous avez les commandes pour passer en game mode ou pas? Oh. Alors non. Non, c'est Piotr. Y'a que Piotr. Ouais. Oui. Oh, des pistons collants. Nulos. Et on peut pas déplacer un spawner? Non. Même okay. Si tu fais shift et t'essaies de le prendre. Ah, j'avoue, j'ai pas tenté. En vanille, on peut pas, mais peut-être qu'avec ça, on peut. Parce que les spawners que Piotr a mis, ils sont à 50 blocs, du coup ils spawnent jamais les zombies. Va, essaye de faire shift, les mains vides, et tu fais clic droit. Ouais, mais si je le pète, y a déjà ça pas de mob. Le péter. Ça va pas le péter. Shift, si clic droit prend... En fait, quand tu... Oui, comme les coffres, quoi. Ouais, c'est ça. Que à voir si ça marche là-dessus, si ça marche dessus, c'est top. Du coup, tu veux en venir vrai, te si, faire le boss ou si pas ça marche là-dessus, non, il rien. Peut se faire des farms de psychopathes en fait. Des farms d'XP de ouf. Ah ouais, je peux. Putain. Ouais, mais le truc, c'est qu'il faut pas cheater. C'est des trucs qui ont été rajoutés en game mode. Ah, oui, non, mais t'inquiète pas, si tu veux, je prends des spawners que je trouve dans. Oui, dans sinon, oui, voilà, on peut faire ça. Non, mais de rien, on peut faire des trucs. On peut faire des farms d'XP de. De rien, du coup, tu veux te faire le boss avec moi ou pas? Ouais, mais là mon PC a crash, du coup je dois relancer le jeu. Oh là là, mes frères, on a un Wikipédia sur patte, mais il a un ordinateur en papier mâché. Papier mâché. Faites un don. On peut dire que je suis un peu comme Internet Explorer, quoi. Dorian l'explorateur. Putain, Dorian l'explorateur. Il est niqué mon armure, ça me fait chier là. Parce que vraiment le bâtiment il a l'air trop classe là. C'est un grand château bleu. Mais ce que je dois prêter mon ex. Mais qu'est-ce que. Quoi mais qui. Il y a Chirac là. j'ai baisé la chèvre. D'accord. Super. Les quenouilles. Quenouilles, les quenouilles. Vous l'avez. Oui, c'est une plante. Malheureusement. Eh bah super. Ouais, du coup j'ai récupéré des sticky pistons dodo. Dodo l'astico. C'est son surnom. Oh, ça fait bien ça. Dans le porn game. Oh, c'est vrai. Oh, le petit astico. C'est mon nom de merde. Pire blaze. Bah alors la petite astico. Oh, ma petite pieuvre. Oh non les filles. Malin, ça voulait pas jouer au jeu d'animation, mais dès que ça part de Thierry. Un rouge à ongles, laser. Un rouge à ongles. Rends-moi mon rouge à ongles. Mais prends ce sèche-cheveux tornade. Rouge à ongles. Moi aussi, je peux le faire. Rouge. Salut, c'est moi, Jarry. Salut, c'est Jerry, j'ai une grosse hache. Il a pas de hache. Oh. D'ailleurs, j'ai fini Walking Dead. En vrai, la fin est trop bien. Ouais, la fin est l'épisode de fin est bien, mais je suis déçu, il n'y a aucune fin en fait. La fin n'est pas une fin. Oui, c'est la fin, ça. Voilà. Bah, ça annonce d'autres séries quoi, c'est tout. Hein. Super, c'est à chier. Je voulais une fin de l'arc de Rick. J'ai la fin de... Regarde d'autres séries si tu veux voir la suite de la 11e saison, fils de pute. C'est vraiment ça. L'épisode de fin est cool, mais c'est juste la fin de Pamela. C'est pas la fin de Walking Dead. En ouais, fait. Ça marche pour rien, The Walking Dead. Du coup, ils ont fini en mode... Il y en a plein d'autres. Mais en vrai, j'ai commencé à regarder Dead City. J'ai à peine regardé 20 minutes. J'ai déjà du mal à m'accrocher... Même, je sais pas, la VF de Maggie, je sais pas, frère, j'ai l'impression...
je sais pas, elle a dû... Je sais pas combien il y a eu d'ellipses entre les deux, mais j'ai l'impression, je sais pas, elle a pris un coup de vieux. Du coup, la voix, moi perso, je trouve que la voix, elle va pas avec le personnage. Elle va plus. Genre, Maggie, elle fait... Maggie a pris un coup de vieux, mais elle est pas non plus trop âgée, tu vois. Je trouve que ça va pas avec le personnage, quoi. Mais c'est toujours le même doubleur qui fait... Normalement, ouais, c'est la même doubleuse. Oh. Je sais pas, moi perso, je trouve... Après, c'est peut-être moi qui suis... J'ai peut-être t'es bourré, mec, pose cette fiole d'alcool, mec. Cette fiole d'alcool. Non, ouais, t'as l'épisode 5 ou 6 de... La saison 1. Naruto. Non, de le monde Naruto. De demain. Naruto. Rikakonoha. Le monde de quoi? De demain. Ah oui. C'est good. Très lourd. J'aime bien. J'aime bien, c'est vraiment c'est une bonne série. Putain, j'ai appris récemment, ils veulent faire un... Ils veulent faire une nouvelle série Martin Mystère. Voilà. Oh. Ça a l'air alors, horrible. J'ai vu les visuels. Ça a l'air horrible. Martin Mystère. Ça a l'air horrible, vraiment. Ça me fait penser à Foot de Rue Extrême. Non. Bah, c'est, non. Vous voyez un peu les designs des personnages Facebook? Tu sais, les petits animoji Facebook, un peu manga de merde là. Les trucs 3D qu'il y a sur Snapchat, les personnages 3D Snapchat. Les Bitmoji. Ah ouais. Les Bitmoji 3D, c'est ça. C'est globalement à peu près la même DA quoi. Du coup, non, par contre, en vrai, comment il s'appelait déjà l'homme préhistorique, mec? Ils l'ont raté. Je crois qu'il s'appelait Philippe Fichon. Waouh, mais il dit des noms comme ça en live lui, c'est un ouf. Parle de Philippe, mec. Jana Lombard. Jabba des cavernes. Le Jabba, voilà. Quoi? Jabba. 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 Oui. Il vit dans une hutte. Ouais, avec Fred Testo à côté de la cabane. Dans la Jabba hutte. Putain, non, je l'avais. T'avais quel coup du coup dans le laser, chef? Jabba la cabane de Fred. Il faut que tu viennes en 129. Le 5... vlog. J'écris dans Jabba, le chat. 129, 55, 155. L'eau elle est buggée. Coucou la team des fils de pute. Aujourd'hui on va visiter. Wow, c'est. Non, ça va pas avec le grand comme ça. Je sais pas quand est-ce que ça va sortir, après, mais j'avais vu comment il. La ferme Jérôme il va refaire une vidéo les tutos. Ah merde. J'avais vu un tout petit teasing, une image de teasing. Et bah c'est super ça, hein. Ça va être bien de ressucer un délire qui a duré 11 ans. Allez. On va bien se marrer sur internet. On verra. Aigri peut-être, c'est ça. Ça peut être ça, je trouve ça très aigri. Peut-être, ouais. J'espère. Hein. Non, il a du bif, ça se trouve, il va encore faire des trucs encore plus grandioses. Ouais. Du tuto, il y avait des grosses mises en scène. Ah bon? Bah au début non, mais sur les derniers, ouais, il y avait un peu plus. Ouais. Un peu plus à la fin, il a fait des trucs de budget quoi. Ouais, je me rappelle pas de ça. Après, j'ai jamais trop été friand de ce format. C'est Fossiliane de merde. Non, moi j'aimais bien, c'était dynamique, ouais. C'était marrant. T'as rigolé, quoi. C'était quand même assez culte à l'époque, c'est sûr. Hein. Au collège, là, tu regardes ça, tu fais ah, putain, les gars. Et Dorian, quand t'arriveras aux coordonnées, tu verras un grand château bleu. Bah, de loin, on dirait qu'il est bleu, mais en fait, de proche, c'est en roche noire. Du coup, voilà. Ah bah. Il y a un temple. The Black Smith. De proche, on dirait qu'il est noir. Le forgeron des âmes. Bah, super. Bah, c'est top. Mine sous-marine. Ça, find the soul. Alors, blacksmith. Si bah franchement ça inspire la confiance tout ça. Ouais. Hein. Ouais. Vous avez trouvé le forgeron des âmes. Et bah c'est top. Oh wesh, il y a plein de hauts fourneaux, il y a une forge. Wesh. Wesh. T'es tombé dedans. Wow. Arrête de crier. Waouh, putain, achète un compresseur ou alors ta gueule. Mais faut faire quelque chose, c'est horrible. Wouah! Tu m'as enculé les oreilles, mec. Je vais baisser ma sortie sur Discord. Mais en fait, je m'attendais pas, frère, c'est un énorme. Il est tellement fort, mais je t'ai entendu vraiment hors du. Ouais, mais je m'attendais pas à ça, frère, c'est un énorme boss.
Les gars, je suis tombé dans un donjon sous-marin et il y a plein de loot. C'est un peu top. Ok, bah je prends 50% et tu gardes le reste. Ah putain, non! C'est quoi, c'est l'état français ou quoi, la team? Ah putain! 49-3, je récupère tout. Ah. Voilà. Mais il est vrai. Graine de tomate, tu veux? Bah non, sans branle, on en a non, 20 000. Non, on a déjà plein. On a 20 000 des tomates. Ouais, moi, je veux un seul truc, alors. Je veux des mobs. Ouais. Je veux des zombies, je veux de la difficulté. Je me fais chier sur Minecraft Better. Mais bah vas-y, frère, viens. Va dans les autres dimensions, tu vas voir. Viens, frère, j'ai pas envie d'aller dans les autres dimensions, j'ai envie d'avoir mais des mobs. Mais c'est zinzin. Ah putain, ma découvrir. Autant chez moi, j'ai envie de sortir et me dire, ah putain, regardez, il y a un cheval à trois têtes. Pas envie de me dire, ah, il y a un zombie parce que Piotr a mis un spawner. Non. Je mets 70 cochons. Il y a plus de cochons. Est-ce que c'est bon pour vous? Non. Est-ce que c'est UU pour vous? C'est bugué, faut que je mette un bloc. Je pourrais lancer des bombes sur le boss. Je pourrais bien spawn, bien spawner zombie de l'eau. Zombie de l'eau. Je lag. Ah, t'es au donjon des couilles. C'est 4 couilles dans l'eau, non? C'est pas ça? Non, moi je suis allé c'est un autre dans donjon. Des grottes sous-marines, des okay. Box. C'est le donjon des couilles. Non, mais en fait, Oui, c'est bien lui. Tu peux trouver des donjons dans l'océan. C'est 5 sphères qui sont collées. Et dedans, dans chacun, t'as un spawner de noyer. Putain, il vient de spawn. Voilà. Je t'avais pas demandé, mais ok. Du coup, moi j'appelle ça le donjon des couilles. Le donjon des couilles. Un tableau là. Mais c'est pas un boss là. C'est pas un boss là. Mais non. Croirais-je. Pourquoi j'ai des. Pourquoi j'ai. Ah j'ai. J'ai trop d'XP. Et eh ben super. Peu heureux de merde. Est-ce que c'est bon pour vous? Oh, Lena Reine, Otherside! Oh non, le prends pas, frère. J'en ai deux. Non, mais frère, on en a 20 000 des Lena Reine et Otherside. Bah, je prends le CD 4. Je chante un morceau de 4. On en a déjà. Vas-y, Manu. Oh, la musique de baise là. Oh oui. Là, tu veux des graines de chou? Non, on en a déjà plein. Graines de. D'aubergine. Attends, tu oui, peux... oui, 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 oui. Bah attends, aubergine ou aubergine blanche? Elle rigole. Grosse merde. Le séquencier, c'est... C'est une denrée rare, hein. Mais c'est sérieux, je l'ai dans la grotte. Oh, mais ça, vraiment, les lingots... Rien. Les lingots, ils... Le loot, ah, la featherite, ça va, ça coûte pas cher. Mais... Bah, ça coûte pas cher. Ouais, ça coûte quand même un lingot de netherite. Mais comparé à d'autres, ça coûte plus cher, quoi. Parce que genre t'as la underite, c'est 4 perles de land, ça va. T'as la spiderite, ouais, les yeux d'araignée, ça va. Mais par contre t'as la witherite, et là c'est une tête de wither avec un lingot. Bug. Y'a trop d'infos. Comment je râle. Y'a trop de mode. y'a trop d'infos. Mais c'est pour ça qu'on a un wiki. Y'a Dorian en fouille in the boîte là. J'ai pas compris, c'est mon PC qui d'un coup s'est dit, bah écoute, j'ai une masse de musique. Sors mais en fait, ça gauche c'est PC, sors. Et vous gagnerez votre dictionnaire Larousse 2028. Ils ont gagné ça, je sais plus. Non, pas 2028, mec, c'est pas la bonne date. Mais des putains de dictionnaires. Il a répondu pour être de grâce à ça. Mais non. Mais non. Putain, je comprends pas. Putain. Déco, hein. Attends, je vais passer. Je vais passer en jeu chatting parce que. Ok, bon. Alors la zone, ça dit quoi? Genre. C'est le boss. Ah, le boss, il met une musique. Il y a une musique de boss. Yeah. Oui. Ah. Parce que je comprenais pas parce que. Genre, je me disais, c'est pas une musique que j'ai mis ça. Oui, mais c'est pas un boa! Vous êtes en train de vous foutre de ma gueule! Ça fume, ouais, Kevin, il le fait tout doucement. C'est pas un boa, ça. C'est pas un boa, ça. C'est des champignons.
Moi aussi, je le fais doucement. Eh hey, les gars, c'est pas bon quoi. T'es où du coup dans Roseanne? Le Thirst qui croise un bois. Ah bah si, je te vois, c'est bon. En bas, derrière toi. C'est pas bon. Ah oui, d'accord. Et là, là, il y a le boss. T'es prêt? Je suis buté. Ah bah, c'est vraiment pas un boss, on est là. Les gars, je suis en train de mourir dans une plante rouge, aïe. Il sera direct à gauche, hein. Guevara. Aïe. Ok. Bien joué. Là, bah là, là, il est là, il est à gauche. On dirait un à golem gauche. De lave. On dirait les. Non, les. Comment ils s'appellent? Les trucs de lave dans Clash Royale. Un golem. Un molosse de lave. Molosse, voilà, on dirait un peu un molosse de lave. Molosse, voilà. Ah, elle, on peut pas éteindre son truc. Mais lui, je suis con, on est dans le désert. Oh bah, là, fais gaffe, y'a de la lave, Dorian. Ouais, j'ai vu ça, j'ai vu ça. Oh non! De la lave! 4 potes, on va 4-4 moi. Salut, c'est Pluck. C'est Plug et vous? C'est Pluck Anal. Oh putain, il fait mal hein! C'est... Mais ses flammes, elles s'éteignent pas. Si, c'est juste qu'elle met du mais, temps. C'est... Mais c'est pas. Oh sa mère! C'est pas un bois! Bois! Mmh, non. Non. On va utiliser la perle. Ça fait trop mal. Oh, je vais mourir. Non, pas le décès quand même. T'as des gapples ou pas? Non, non, j'ai... Des quoi, des? Des gapples. Moi, j'ai compris alligato. Hein, vraiment. Alligato. Donc j'arrête la Japan Expo, les boys. Ça existe, ça? Des gapples, ouais, c'est des golden apples. Mais il m'attaque! Des gapples. Non, je vais mourir! Je sais que ça existe. Je suis mort. C'est des gigapunks! C'est des gros punks. J'ai perdu bon. Mes 30 niveaux, putain! Je joue mieux, mec? Mais frère! Voilà. J'ai pas attaqué un seul cochon zombie, ils m'ont sauté dessus. Mais j'en ai rien à foutre! Le mec est trop honnête. Pourtant, j'ai fait tout ça! Dieu, je m'en bats les couilles. J'en ai rien. Mais alors. Pardon. Ouais. Oh, Carl Oignon. C'est quoi cette voix de... Tu sais, les mecs, ils vapotent et ils parlent en même temps. Non, Carl Oignon. Les mecs, ils mangent en nuage, là. Tu comprends rien, ce qu'ils disent. Ah, mon Carl Oignon. Ou alors un peu Chirac aussi. Ah bonjour. Oh, manger des pommes. Ah bonjour. Putain, c'était catastrophique là. Chirac là. J'ai chié dans Chirac. Chirac. Ah putain. Mais alors, les zones, ça dit quoi? Pas grand chose. Oh, ça... Tu l'as battu, mais putain, mais non, mais c'est sérieux. Pff, j'ai trop le seum. Sérieux? Ah, c'est une façon de cerner le mur. Ta gueule. Tu peux m'attendre avant de prendre le stuff, s'il te plaît, Dorian. Hein, deux, comment ça, prendre le stuff? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Comment ça, avant de prendre le stuff? Bah, tu peux attendre avant de prendre le loot, quoi, qu'il a donné. Et les coffres. C'est devenu hyper chaud de battre des mobs parce que je vois tellement que les zombies, ils courent à 10. Ah, c'est toi qui a fait le... Vite, là. C'est toi qui a creusé dans le sol. Non. Ouais. Mais c'est pas bon. C'est vraiment injouable. Hein. Le PVP, c'est impossible. C'est pas par là. De merde. J'ai un saut de homard. 50 km/h, un saut de homard. Ouais, mec. Tout le monde a ça, bro. Voilà. Tout le monde a un saut d'acteur. Ça me saoule parce que j'avais vraiment 30 niveaux, quoi. Je suis mort avec 30 niveaux, c'est super. C'est bon, j'ai compris. Oh, merci. T'imagines, t'as le saut Minecraft, t'as sa tête dedans, en pixel là. J'aimerais avoir un pixel art de Marcy. Une emote comme ça là, c'est incroyable. Son sourire là. Tu rencontres Marcy et tu lui offres un pixel art de lui. Et du coup, il te l'offre et tu fais oh bah merci, oh merci. Voilà, bah. Eh, mais ça, c'est des blagues qui sont déjà faites depuis très longtemps. Bannissable, ouais, de fou.
sont bannissables. Bah non, après c'est pas parce que c'est un blague qu'on n'a pas le droit. Zizou, il savait rire. Hein. Et qu'aura dit Coluche, de toute façon. Et Coluche, il pouvait tout dire. C'est dingue, c'est vrai. Lui, il avait l'humilité, quoi. Ah ouais. Non, pas l'humilité. Ah, l'humidité, je l'ai, je l'ai. L'humidité. La médité. Mais putain, qui me tape? Qui me tape? Prévost. C'est pas un beau, ça. Je te vois, Guabin. Ah. Wesh. Ah, mais en fait, il a fait spawn les trucs sur moi. Ouais. C'est un zombie. Non, c'était Mylène Farmer. Ah, ok. Mylène Farmer. Après 15 000 clopes. Après qu'elle soit morte. Voilà. Je fais un truc qui était un peu drôle. C'est quoi? Salut, c'est Moundir. Ouais. Putain, j'ai pris qu'une pioche en fer, j'ai bientôt plus de... C'est bien lui. Ouais. Non. En just farting, là. Mais il y a un chemin, normalement, déjà tout fait. Non, mais j'ai pas trouvé. Ça menait à rien. Du coup, je fais mon propre chemin. Ah, il a créé sa propre histoire. Ouais, j'ai changé de mindset. J'ai retrouvé mon chemin. Mindset. Oh, les gars. Ouais, mec. Ouais. Pour la soirée Halloween, on pourra bouffer de la merde. Ah, bah, fin de la phrase. Super. Oh, j'ai chopé des rations de survie au taf. Cool. Oh. Ça va être tellement rigolo. Il y a du... C'est bon, j'ai retrouvé des pioches en fer, j'ai trouvé le cadavre de Matisse. J'ai tout goûté. Waouh, c'est Faut voir l'estomac accroché. C'est pas fou. Genre, en fait, Attends, il y avait des carottes. T'as un biscuit dedans. Dedans, t'as un biscuit qui est hyper sec parce qu'il est hyper compact. En fait, on compare au lambas de gâteau elfique que tu trouves... Dans le Elfique. Seigneur, dans le Seigneur des Agneaux. Des Agneaux. C'est vrai hyper, oui. Premier degré, il compare ça à ça. En fait, c'est un peu... il compare pas ça à ça, mais c'est comparé au lambas. Le lambas, c'est une recette de biscuits. Oh, il y a des pillards. Les gars, il y a une invasion à la base. Oui, trop bien, let's go. Bah, moi, je suis pas là et dans rien non plus. Ah merde, j'ai ma canne à pêche. Allez, écoute, Kevin, viens, on se les fait. Tiens, toi, tu fais de chier maintenant. Ouais, ouais, c'est ça. Attends, et en plus, je crois que j'ai un arc de fou. Ah, mais j'ai pas de flèche. Kevin, est-ce que t'as une flèche? Oui. T'es où? Ah, t'es déjà en fight. J'ai trouvé une pierre, fight, une pierre lune d'Orient. C'est toi qui l'as posé? Ouais. C'est quoi? Il y a un sorcier. Alors, c'est toi? C'est un bloc lumineux du voilà. Monde où il y avait, là, le Deep Dark. J'ai vu le sort. Ah, bah, du coup, je l'ai pris, en fait, je l'ai enlevé. Eh bah, c'était... Oh, t'inquiète pas. C'est bon. En gros, c'est les torches de la base, tu vois. C'est bon, je suis revenu. Alan. Ouais, quoi? Ouais, coup, du Ravage Scarp. Quoi? Ravage Scarp. Transfert item. Ouais, bah, je suis. Je peux le mettre dans le système. Je vais le mettre dans le système alors. C'est bon. Ou je... tu peux essayer de te faire une amber avec si tu veux. Moi, j'ai chié sur l'indienne. Non, j'ai chié. C'est bon, j'arrive, Dodo. J'arrive. Et du coup, je et il t'a loot des trucs. Du tang dedans. T'as loot des trucs dedans. Ouais. Ouais, mais attends. Wesh, dépôt. Wesh, il a loot des pots. Dépôt à caca. Okay. Du coup, ça me saoule parce que toi, t'as eu le succès et pas moi. On a posanteur. tu peux me... Ça te dit pas, avant que je te remplisse thème, on essaye d'aller tout en haut parce que je pense que s'il y a une tour, c'est pour un truc. Vas-y. C'est tout, là. Moi, dans le Nether. Ah mais Nether, bah du coup j'ai bien le somme parce que j'ai bien le somme parce que du coup j'ai perdu 30 niveaux. Putain. Je t'ai dit Alan. Niveau il passerait pas à côté de quelque chose. Mais vas-y viens dans le Nether combattre des mobs des molosses de lave de Clash Royale. Bolos. Ya. Bolos de Clash Royale. Ya. Rah. Moonstone Shield, c'est quoi ce truc? D'où vous c'est un shield en Moonstone. Allez, salut! Mais c'est... Et tu le sors d'où le Moonstone? Moonstone de l'autre dimension là. Celle où j'étais. Celle là où il y a eu le boss et que t'es mort plein de fois. Wesh!
Ah yes, et j'ai pas eu de loot parce que mon PC a craché trois fois. Ok, je vois. Ah, c'est. Mais je vous sors. Pourquoi il y a plein de feux de camp là? Et je pense que c'est pour juste faire un effet de fumée. On a la chicha ou quoi là? Mais ouais, ouais. C'est pas un boa? C'est pas une chicha? C'est pas une chicha ça? C'est pas une chicha? non plus un boa. Mais non, mais les gars, c'est pas un boa. Et voilà. T'as un pseudo pour du sang? Ah bah non, je suis sûr que c'est pas un boa. Non, papa, je. Bah oui. Là, je regarde bien. Oui, oui, il est. Mais c'est pas un boa. Qu'est-ce que tu fais? Ça a bien le sang froid. Ça a le sang froid. C'est. Il est fait un serpent. Je peux te redonner tes 30 niveaux si tu veux. C'est les gars. Boa. C'est sérieux? Les gars. Oui. Les gars, fais clic droit avec ça. Les gars, mec. Les gars. Je t'aime. Je t'aime, Dorian. La voix sonne là. Je croyais que c'était une baguette. En plus, grâce à ça, j'ai pu avoir le succès. J'ai pris 10 niveaux, je suis à 40 là. Mais non, c'est pas un boa. Ah, mais vos gueules, en plus, vous êtes trop forts là. C'est horrible sur le live. Moi, dans mes oreilles, c'est horrible. T'as un live ou un boa? Un boa live? Un boa. Oh, j'en ai marre. C'est vraiment de la ASMR foutage de gueule. C'est trop drôle. Mais non, c'est pas de l'ASMR, les gars. Et du coup, t'es ça. C'est pas de l'ASMR, c'est un boa. Oh! C'est un boa. Putain, boa, ça. Des mauvais présages, ouh, des maléfices. Pardon. Ta gueule. C'est trop bien. T'as dit ta gueule, Notch. Ferme ta gueule, Notch. Ok. Okay, moi, j'ai compris ta gueule, Notch. Bah t'as bien compris, mec. Pleurer, mec. Du coup, on descend de Thomas, bah. Vas-y. Parce qu'en fait, je viens de dire la description du marteau et j'ai pas envie de la tester sur une tour. Ta mère, c'est Robrine. Un marteau, t'as eu un marteau? Ouais. Détruire des tours. Vas-y, j'en ai marre, frère. Tu peux détruire non, mais... des tours. Non, mais je vais te le passer. Je trouve ça. Je vais te passer, au pire. Bah non, c'est bon. Vas-y. Alors, et du coup, on a eu que ça. Genre, on a buté le méchant et on a eu un marteau. Il y a aussi eu le succès qui a donné un totem en Lazarite. Toi, t'as eu le succès. Quelqu'un peut regarder ce qu'on peut faire avec des cristaux de prisme marin? Parce que moi, j'essaye de voir, mon PC il crache. J'ai fait U. Oh, débris de Lazarite. J'ai pas voulu comprendre ce qui se passe. Ah, il était où? Il était caché sous de l'or. Trop drôle. Bah là, il y en a un encore, c'est à moi. C'est bon, je récupère. Mon précieux. C'est quand j'enlevais les sources de lave, de base il y avait de la lave dessus. Alchimiste, c'est quoi le totem alchimiste? Totem alchimiste. C'est pas la pancarte que t'as chopé là? La pancarte? Quoi il parle lui? Sur la tour au premier étage? Mais il parle de quoi? Bah il y a un boa, c'est un boa alchimiste. Les trucs alchimistes c'est les. C'est un trophée, c'est un quand trophée. Quand tu butes les baffes en gros t'as des petits trucs. Des trophées? Des trucs. Ok, d'accord. Des trophées, voilà, merci, j'appelle le nom. Ah, mais bah, c'est un trophée, moi je vais le mettre dans ma chambre en déco. Ok, mec. Donc, c'est pas un beau. Du coup, en vrai, la récompense du boss. Regarde, il y a de l'or là, il y a peut-être de la nésorite en dessous. Non. Ah, tu vas pouvoir te faire. T'as le décor de fou, Alan, pour. Dans ton nouvel appart là. Ouais. Bien. Qu'on a trouvé. T'as les toyaux pour choper des meubles et tout. Alors, du coup. Wesh, ah ouais, putain, c'est ça de... C'est ce marteau-là. Tu chauffes deux lits pour 30 euros. Ah ouais? Une place? Et... Deux places. Quatre places. Ah, des deux places, putain. Et il y en a un 30 euros avec sommier. Tu vas réussir à dormir sans ton lit... Genre, apparemment, je peux faire 3 sur des blocs. Wesh. Et, tu vois, ça fait une zone tout autour qui fait les dégâts. J'ai trouvé des lits, mais... Non, t'as pris des dégâts lits, vraiment... Attends, désolé Dorian, j'écoute pas trop, mais... J'ai trouvé des lits de monarque, frère. J'ai trouvé le lit de Louis XVI. C'est vrai, ils sont encore plus moches que ce que t'avais. Ouais. Non. Et mec, mais vraiment, vous avez repris des lits de merde comme ça? Bah, deux doigts de le prendre, frère, pour avoir un beau lit de monarque. Non, non. Oui, du coup, dans l'enjeu. Alan avec son sceptre le matin qui se lève. Je t'écoute. Du coup, attends, déjà, tiens, je vais te donner cet item là. On peut en crafter plein. C'est le truc que tu peux poser par terre et ça garde les items que t'avais dedans, un peu comme une shulker. Ok. Ouais, ça peut être joli. Ok. Mais encore. Moi, c'est des lits classiques comme. Quand tu frappes avec. Non, c'est un casier. 13 de dégâts à 0,8 de. Attends, Kevin, attends. J'entends rien, frère. Kevin, si les gens parlent, parle pas. En fait. Vraiment, c'est horrible. Le live. Oui, vas-y, du coup, Dorian.
Et du coup, en gros, quand tu non, puis, le doigt et sur un quand bloc, j'étais ça fait parti des... pour le. Les pattes. Ouais. Bon. Mais personne. Mais c'est un boss, mec, ou quoi? C'est un il boa. Va, il revient comme un boa. Vas-y, du coup. Putain, du coup, mon jeu, il est crash. Bah oui, j'étais sûr, j'allais dire. Tu vas voir que son PC, il va brûler en faisant ça. La blague, il coûte cher. C'est pas un boa. Et bah voilà. Bah en tout cas, personne n'a fini sa phrase, c'était sympa. Voilà. Cool. Mais normal, il y a les connards qui parlent en même temps. Est-ce que tu peux expliquer le marteau? J'avoue, là, là. Mais qui tu traites de connard? Oui. En gros, le marteau, quand tu fais clic droit avec sur un bloc, ça fait des gros dégâts de zone. Ok. Mais je drop pour que tu puisses tester au moins. Et c'est aussi une. C'est ça, c'est ça. Mais oui, mais putain, mais vous arrêtez pas de parler en même temps, les gars! Boring! Une phrase qui prend 2 secondes à dire, elle met 20 ans avec vous! C'est pas vrai, bro? Et du coup, t'as acheté un lit comment? En bois. En bois? 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 J'en ai marre, putain! Wow, en bois, en bois! Oui! J'ai aussi drop ça! Regarde ce que tu peux craft avec! Wesh! Et tiens, du coup, regarde le marteau si tu veux. Wesh. Guabin, tu veux faire de la peinture you ou pas? Full below half. IRL ou IRL? Pushing early monster. Ouais. Buff. Ah, pas moi. Partout. Allez. Bah. Ouais, IRL. J'ai chopé un casier. Je suis en train de le restaurer. Un casier un peu vintage. Ah, je croyais qu'il y avait. Bah tiens, je te laisse ça du coup. Rien neuf. Pour l'appart. Ok. Et si, et du coup, on se dit. J'ai demain plein de bombes. On se dit que si tu trouves un dans le Nether, tu me le gardes de côté pour que je le bute avec toi. Ouais. Et ouais, ouais, t'inquiète. Et regarde, attends, je passe ta piste avec le marteau, tu peux miner aussi avec. Ah ouais? Merde, pardon. Du coup, je comprends pas. Ah ouais, putain, trop bien. Vas-y, mec, on c'est considéré aussi comme une pioche, du coup. Ouais. Putain. Putain, mais du coup, j'ai trop envie de me le faire là. En plus, je lui ai fait full dégâts parce que j'avais des flèches de dégâts instantanés 2. Tu vas le peindre en quelle couleur? J'ai tiré plein de flèches, j'en avais. Et des étagères en OSB. Il m'en reste 2. Putain. Ok. Ah, c'est cool. Ce sera dans ma chambre. Genre un petit meuble. Je sais pas si on a ça va être sous. Ah, mais attends, mais. La base. Un casier à la Michael Scofield. Militante. J'ai cru que c'était Dorian, mais non. Il a mis une statue debout sur une chaise. Non, j'ai perdu tous mes niveaux. Bah, t'as qu'à bien me jouer, mec. J'en avais 4. Un fantôme. Non, tous ces 4 niveaux. Ouais, les 4 niveaux, rendez-les-moi, voleur de poule. Il a posé ça, toi. Mais du coup vraiment le boss j'ai trop envie de me le refaire parce que mec le si tu fais un casque en netherite et que tu mets le truc dessus ça t'as un bête de pouvoir avec tout le temps baiser son boss de rien du coup avec tous les mods qu'il y a pas du tout d'alternative aux Elytra si mais qu'une fois que t'as les Elytra oh putain attends tu peux trouver un truc qui permet de voler comme les Elytra une fois que t'as trouvé les Elytra. Bah en fait c'est que tu peux améliorer tes élytras pour qu'elles soient aussi une armure. C'est avec ouais les trucs de tarentule là. Ah ouais, ouais c'est ça. Là. Ce qu'on avait buté. En fait t'as... Actuellement il y a que les dragons et les élytras avec... peut voler quoi. C'est ça qu'on peut voler. Ah j'ai une couille rose. T'as eu... couille rose. Ouais va me fâcher le médecin mec. Vraiment. C'est parti! Elle était bien. Non, c'est mon Jacques! Que j'aurais dû faire ça. Bah. C'est-à-dire, du coup, une couille rose. Fais rien, en fait. Bah, j'ai une douleur depuis 2 jours et du coup, je regardais. Et... Faut amputer! Et dans mon inventaire, j'ai une couille rose, quoi. Une couille rose. Bah, j'ai une desk art. T'as trouvé ça où?
Dans mon slip. Non mais sérieux parce que... C'est moi qui te l'ai donné hier, bro. Ah, ah oui, c'est vrai. C'est bon les gars, je sais d'où vient ma couille. IRL, le stack de couilles roses là, 64 couilles roses. Ah ouais, je t'ai trouvé une pyramide. Une pyramide de l'end, de... du nether. Ouais, mais je sais pas ce qu'il y a dedans pour l'instant. Il y a un portail. Protection contre le feu, ouais. Ok, bah les stunners, ça marche. Ouah, la chatte, tu veux de l'aide? Attends. Bon bah, je veux plus. Putain, il passe pas les pyblocks, cet enculé. Ça me casse les couilles. Je passe pas un bon moment. Appelle Kian. C'est vrai, tu as bien raison. Le sourire me reviendra au jour. Putain, je peux même pas fermer tellement ça crache là, ça me casse les couilles. Un truc de ouf. Tiens, essaye de venir vers là. Attends, je me régène un peu avant de revenir parce que je sais pas s'ils m'ont aggro du coup les pigmen. Wouah, putain, c'est des vénères. Ah ouais, mec. Mec, en fait, vraiment, j'ai entendu, j'ai vu l'explosion, mais j'étais un peu loin, du coup j'ai pu sauter et j'étais propulsé. Et du coup, je suis pas tombé, je t'ai vu tomber avec un pigmen. Est-ce que dans le Nether, il y a des mobs spéciaux avec les mods et tout? Oui, beaucoup. Beaucoup. Il y a des oiseaux bleus volants qui t'attaquent et qui peuvent esquiver des flèches. Ah, sympa ça. Donc, à peine sorti, je me suis fait agresser. Hein. Ah, mais ça, c'est Nantes, ça. Ça, c'est pas le Nether. Welcome to Paris. Welcome to Miami. Straight out of the captain. Straight out of the captain. Man, you get a motherfucking house cube. Les ouais. H.I.P. Désolé Bugs Bunny. H.O.P. R.I.P. H.O.P. Rip le hop. Hop le rip. Hop le rib. Hop le rib. Oh, embrasse-moi mon frère. Non. Non. Ouais, la bromance c'est interdit. Quoi? L'aboiement. Peur, mec. La bromance. L'aboiement. La bromance. Tout le monde déforme tout là. La bromance. Quoi? La villa romance. Mais quoi? C'est interdit la villa romance. Une bonne calzone. Hey, Monigome, tu me lèves mon assiette? Oh putain. Oh merde. C'est quelqu'un de humble, hein. C'est un maudit homme. Ta gueule! Wouah, mais suicidez-le, please! C'est juste horrible. PC va imploser! Ouais! Vraiment, la rediff, j'ai appelé Fred Testo en Just Dying. Voilà comment je vais l'appeler. Yo les bitches! Comment on fait cuire dans ta cuisine, Alan? Ça dépend ce que tu veux faire. De la côte de porc. Bah ça c'est dans les fours de dehors, parce que... dans les fumoirs, sauf si tu les as enlevés. Oh, tu as un truc dans ta cuisine, tu vas dehors. Tu vas dehors, bro. En fait, on a un anniversaire de... Mais de non, mais j'en dans sa cuisine, on est marre, frère, mais... T'es mort comment? J'ai reculé, j'ai fait un pas en arrière, frère, j'ai perdu... J'étais full life en plus. Ça me casse les couilles de faire des moves de merde, là. Je suis nul. Ok, bah tu veux que je récupère ton stuff et que je revienne à la base ou pas? Bah non, j'arrive. Mais... Le truc, c'est que ça me fait chier pour les niveaux, quoi. Ça me casse les couilles pour les niveaux, j'avais 40... Tu m'avais donné 30 niveaux, en plus j'en avais chopé 10 gratos. Ouais. Quand t'en as donné, tu les as perdus. Oui. Je peux pas te faire quoi. J'aurais dû lui donner qu'une fois qu'on est retourné dans l'Overworld. Je vous... J'y vais même pas dans les heures, parce que... Ah, j'ai peur. Et putain, on dirait presque que c'était toi, mec. C'est ouais, marrant, c'est vraiment, vraiment pas. Attention, parce que j'ai... Non, moi, là pas. J'ai peur. Pas sûr que ce soit moi. Ah, c'est moi. Ou alors tu lags. Je les imite super bien. Putain, j'ai fait crever en plus. Je fais ce bruit là avec... Moi je m'emmerde là.
Tu veux pas venir en Just Dying sur Minecraft dans le Nether? Non. Je suis vraiment pas bro. Et vous êtes vraiment loin dans le Nether? Un peu, pas beaucoup. On a 400 blocs du portail. Oui. Et vous êtes des petites frappes. Ça me fait chier. Vous êtes pas loin. Moi, au moins, je suis allé à 3400 dans le Nether. Je suis mort. Ah, mais c'est n'importe quoi. Ouais, tu peux nous montrer ta map 2 secondes pour voir au moins le voyage que t'as fait jusque là-bas et tout. Je vois même pas le voyage, je vois vraiment une tâche. Genre, hey, t'as découvert cette zone. Bah ouais, mais. Enfin, je savais même pas, j'étais dans la map. Bah ouais, mais non. Oui, mais non. C'est oui ou bien c'est non? Mais oui! Arthur, mais non. Voulais... C'est oui ou bien c'est non? C'est Macron qui chante ça, je crois. Ouais. Le Macron Angèle IA, là, il était tellement. Horrible. Horrible. La tête que ça lui faisait, j'étais. Ouah, qui est cet homme? Je fais bien la peur, mec, refais un peu pour moi. Qui est cet homme? Qui est cet homme? On dirait Abraham Simpson quand il a peur. C'est vrai. Ouais, c'est qui? Mais il le fait trop bien! Mais c'est qui ce gars? Pute la gueule, par si près, bah. Je vais faire Bart aussi. Ouais, c'est Bart. Vraiment, les imitations, les gentils, le nom, ça me fait... Moi, je sais faire Maggie. C'est vrai, bien joué. Pas mal. La Narod, elle fait le même bruit des fois, mais bref. Ah. En pleine sortie de Lasco, quoi. Hop là, mode clean pie quoi. Oh, bah, allez, bref. C'est bon. Oh, attends, il reste quelques niveaux. On est Corradi Coluche face à ça, quoi. Enfin, bref. Non, oh putain. Corradi Coluche. Voilà, vous avez 4 heures. Bon, à ton avis, Dorian, sur 42 niveaux, je vais récupérer combien de niveaux? 1. 25. 7. 25. Ouais, c'est des bâtards. C'est horrible. 7 sur 40. Bah, ouais. C'est immoral, monsieur. C'est un peu relou, quoi. Minecraft, c'est un peu injuste, mais au final, ce serait pas une superbe représentation de la vie. La vie. Je fais un signe de surfeur des mains, là. De la... La vie, le pire. La vie. La vie, la vie. La vie, la vie, la vie. Voici Zabu, Zabu, Zabu. Armand. Il va au Tiex. Pas de suite. Putain. Vous faites super bien la musique Minecraft. Non, c'est la musique Minecraft. Ah oui, attends, faut que je suis con. Vu qu'il me parle de musique, j'ai oublié de remettre Spotify, du coup. Un peu con. Ouais, le gars ne fait pas attention à son live. Oh là là, c'est bon. Oui, bah désolé, je suis mort 2 fois là. Et moi, je suis mort de rire. je vraiment. C'est trop bon public, lui. Hein. Merde. Ouais, de fou. Moi, ça me flingue que Dorian soit trop bon public. J'adore. Je veux dire n'importe quoi. Je suis désolé. Est-ce que tu encore un peu, papa? Je suis désolé, mec. Vraiment. Okay, ah, je suis mort. Pourquoi je suis mort? Mais t'es pas mort. Tu joues pas assez bien, mec. Mais tu es mort. Putain, le jeu il crash, je reviens, je crève. Bah non, putain, t'es pas mort. On n'a pas eu de message comme quand t'es mort. Vous êtes morte, ressuscite. On n'a pas de message comme quand t'es morte, hein. Bah oui, nous on n'a pas de message. Mais mec, nous, Moi je suis bien mort. Mais wesh! Bah non, tu nous parles. Et. Oh non, vous pouvez même pas me TP, les gars. Bah non. Ah, bah non. Ah, t'as respawn au qui a pas dormi dans la base. Nah, tu vas faire comme moi hier, tu vas te retaper le chemin inverse. Y'a aucun chemin à faire parce que ça vient de crash, je me reconnais, le jeu il crash. Dorian, t'es parti vers où? Je te vois plus, dodo. Je crois que je suis parti vers le sud. Dodo. Si je tape une abeille. Elle va s'énerver, elle veut te focus. Et si c'est une abeille à côté de chez nous, je te conseille pas parce qu'on va les perdre sinon. Elle va t'attaquer, elle va t'empoisonner et tu vas mourir. Sauf si tu les tues. Mais si tu les tues, ce serait une grave erreur. Je et en plus, si elle te pique, elle meurt. Et si tu les attaques, elles t'attaquent toutes.
Ah. Putain, mon armure et tout. Ça va, j'ai couru vite. Je veux crever du cul, là. Oh. Hein? C'est bon, Dodo, je récupère de l'XP, je suis à 15. Dodo. Les petits bateaux qui vont sur... Les petits dodos qui vont sur l'eau. Mais oui, mon grand état, tu n'en avais pas. Y'a pas de coffre, ces villageois sont pauvres, je peux rien leur prendre. Une citrouille sur ma tête, ça va pas m'aider. Pauvre Kevin Gursaf. Sur la tête? Gursaf a des citrouilles sur la tête? Ah ouais, bro. Tu peux rien leur prendre. Bosser là-bas, c'est génial. Faut avoir une vie pas terrible pour ils ont pas de bois. Ursaf. Je vous en fais encore plus tard, Ursaf. Putain, c'est le dormi. Putain, mais je vois même pas le, la gueule qu'avait le donjon sur la map. Bah, c'est un grand. Ville. Si, c'est au-dessus du. Bah, de la pyramide. Mais elle est à moitié bouffée parce qu'elle était à moitié dans le sol, du coup. C'est bizarre. Ouais. Attends, pardon, Dorian, est-ce qu'on voit la même chose? Est-ce que tu vois une abeille dans le Nether? En sud-est, ouais. Moi, je vois une abeille dans le Nether. Ouais, mais c'est des arbres en miel. Tu veux y aller? Ah ouais? Putain, on peut tuer des regarde les arbres qui sont devant nous, là. Ah. Mais on peut pas récupérer du miel, si? Non, tu peux pas en faire du miel. Oh là, c'est de la merde. Mais non, je nul, peux faire quoi. Que des blocs de déco en fait. Okay. Trou dans la tête. J'ai dit flash dit l'éveil. Tu vois tout. Oula, alors là. Donc, mais... C'est pire que d'avoir une couille rose. Hein. Ouais. Ton accent raciste, ouais. Les trous dans le sgeg. C'est pas un accent raciste. Accent. Oh. Des coffres et rien. Oh, parce Dieu. Qu'on a tout sifflé. C'est... Non, meilleur pleurer, timing. J'ai envie de pleurer. Ah, mais c'est un petit donjon de merde. C'est quoi comme spawner? Écoutez, mec. Cochon zombie. Hop, j'ai cassé. Mon jeu, il a tellement, je viens de prendre des dégâts parce que j'ai cassé un nid. T'as un ongle ou quoi, mon joueur? Je comprends pas. Mais pourquoi tu récupères pas ton stuff sur ton truc, Kevin? Ah bah, j'aimerais bien. Bloc, on l'a pas, je le prends. Je respawn au point de ah, mais oui. Spawn de base. Autant pour toi. Autant pour moi, ouais. Y a pas un autre coffre? Y en a qu'un? Y'en a pas deux? Ouais, y'a deux barrels sinon. Dorian, regarde où tu mets les pieds. Jamais. 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 Oh, jamais. Fais gaffe, à tout moment, j'ai un lit sur moi, je peux te faire péter. Hein. Comment? Quoi? Ah. Tu manges avec... J'ai un lit sur moi, à tout moment, je te fais péter. Ok, Kouachi. Et... Ça, c'est des menaces de viol, ça. Oh, putain. J'espère que je vais pas me faire ban Twitch. Non, mais non. Non, à peine. Frère quoi? Tiens, regarde, il y a la... C'est comme quoi couper. C'est le frère pois chiche. De faire pois chiche. Frère pois chiche. Ah, c'est les... cool. Allez, sur ces deux paroles, mais je vais vous laisser. La ruche là-bas, là. Wesh! T'as lancé quoi, ça? C'est quoi ta lance, frère? Merde, pardon, je voulais casser la plante, pas te taper. C'est une lance droppée dans le l'Etherbrite. Le gars, il... Désolé, Merlin l'Enchanteur, là. Le petit pato. Moi, je vais retrouver le boss, là, je vais lui péter la gueule. Les têtes de zombies, vous en voulez? Bah, vous... Mais moi aussi, j'aimais bien, le fight était épique. Ouais, le fight était épique, je me suis fait poutrer en deux secondes et je suis mort. Oh, on court. Ça glisse! C'est épique. On voulait se voir Alan se faire. La descente en enfer de Fred Testo. Winner, Max. Par contre, moi je glisse, je meurs, je pense. Ouais. Moi le petit bateau. Je me suis mis. J'ai mangé une Golden Apple. Attends, saute pas. Je vais faire un petit qui descend. Bah, bi, bah, bi, bo.
Obi Baba. Oh putain, c'est ce qu'il disait, Kaelag. De quoi? En fait, quand tu te maintiens contre un bloc, tu peux poser le bloc en dessous. Oh là là, c'est trop bien. Je suis devenu un pro du jeu là, je peux crafter les blocs. C'est même pas en dessous, c'est que tu. C'est dès que t'as pas la vision sur la l'arête, genre même de là où je peux le poser derrière, tu vois. Ok. Aïe. Oh. Je crois que je suis à l'académie des gentils. Et n'empêche, on en a croisé qu'une, hein. Oui. Donc c'est un peu. Un peu nul. Je t'avais dit quoi? Regardez là où tu mets les pieds. Bah ouais, mais là j'ai sauté dedans, c'est mieux. Je dis ça et je fais la même, putain, mais je suis trop con. Ah non, mais en fait, je sais ce qui se passe, c'est que j'ai en train d'inverser mon shift et mon contrôle. C'est grave. Putain, c'est dingue. Hein. Du coup, avant de sauter, vraiment, je ralentis, je sneak. Graine. Ça marche pas. Mais non. Oh, mais frère, en face, il y a un lac de lave, littéralement. Vraiment, c'est un océan de lave. Bon, t'en es où pour être affilié Twitch, le dé, là? Bah, normalement, il me faut 50... Normalement, techniquement, il me manque juste 50 followers, mais je dois être à un truc genre... là, je dois être à moins de 30, je dois être à un truc 28. Un peu moins de 28, un truc comme ça. Ah ouais, ok. Renu. Non, normalement, c'est tout ce qui me manque, mais moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il faut il faut autant peu de monde pour être affilié Twitch. Moi, j'aurais cru qu'il aurait fallu plus, quoi. Après, sur Twitch, c'est beaucoup, quand même. De quoi? Des coffres pour mettre des coffres. Bah, c'est beaucoup, quand même, je veux dire. C'est quoi, c'est 100? De quoi, c'est 100 personnes qui vont? Pour être partenaire? Ouais. Peut-être, je sais pas, faut que je revérifie. Bah, mais... une personne qui s'abonne sur Twitch, c'est pas comme une personne qui s'abonne sur Instagram. C'est après, techniquement, la dernière fois que j'ai vu ça, c'était avec comment il s'appelle. Bah non, mais que j'ai vu ça, j'ai de la merde. C'était Rivenzy sur un live, sur une rediff avant qu'il soit, quand il était affilié Twitch, mais il était presque partenaire. Et ils avaient fait, c'était une vieille vidéo des Mario Kart d'Antoine Daniel. Et il s'est fait un train de live. Aïe, tu m'as tapé? Dorian? Désolé. Ouais. Et en fait, il s'est fait un train de live. Bah, les gars du live lui ont fait un train de live et du coup, il est passé affilié. Bah, partenaire. Ah ouais, ok. Parce que aussi, il y a une fonction, un terme. Il y a aussi l'argent qui rentre en compte. Parce que si t'as pas assez de dons, s'il y a aucun intérêt. Pour eux, il y a aucun intérêt que tu sois partenaire. Bah oui. Ça manque. C'est pour ça aussi, techniquement, le plus rentable pour... c'était Gotaga, il avait dit, lui, il disait au chat, si le chat peut éviter de lui donner des subs ou des trucs comme ça, et qu'il le donne à d'autres streamers, et plus lui donner des trucs Twitch, Amazon, Prime, Prime et tout, parce que lui, du coup, il gagne un plus grand pourcentage dessus qu'un affilié. Ah oui. J'ai un ghost block, t'as moyen de le casser s'il te plaît? Un ghost block? Là? Merci. En fait, il a pas assez pu sur mon écran, du coup, je peux pas le casser. Ok. Putain, mais là, on est vraiment dans une grosse forêt, y'a rien. Wesh! Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? J'ai vu ma tête! Oh là! T'as vu ta tête? Non, il mais tu sa tête toute bleue! Bah, vous verrez sur la rediff, genre, ça a bugué et j'avais la caméra dans mon crâne. Et du coup, je voyais bleu. Enfin, j'ai vu. Pas bien. C'était beau. Ça va bien, mec? Bah, non, du coup, ça va pas bien. La drogue. Il a même pas mis sa story d'Arogen, quoi. Bah, si, j'ai mis. Bon? Bah, si, j'ai mis une story et après, mon téléphone il s'éteint parce qu'il avait plus de batterie. Bah, peut-être, elle s'est pas téléchargée. Je pense que c'est pas mis. Ah. Y'a pas de story. Ce qui est relou, c'est que. Chef. Mais il faudrait que tu les changes tes stories parce que tu mets un peu tout le temps les mêmes. Oh, regarde à gauche par là-bas. Oh mais merde, c'est un autre déjà en fait. Ah oui, on a tourné en rond. Est-ce que j'arrive hein. Après, ça peut te rassurer, l'humain est fait pour tourner en rond quand il a pas de repère. Bah là, on a un repère techniquement, on a une carte. Oui. Repère. On a Franck Roper.
Lepers. Julien Lepers aussi. C'est quoi le bruit de vent là? Dorian il disparaît en 2-2 en Sunsun. Ok, c'est bon, je t'ai retrouvé. Et vif le gars. Je suis loin, je suis arrivé à la tour. Montparnasse infernal. Alors, j'aimerais bien y arriver. J'y suis pas. La tour des pigmen qu'on avait croisé au tout début. Tour des pigmen. Pigmen, je crois. On avait tout cassé. Ah ouais, non, on a vraiment c'est pas. J'avance vite parce que le spawn se fait. J'avance le spawn vite. Se fait. Et j'ai failli tomber dans les zones trou-trou. Okay. Y'a quelqu'un qui est là pour dormir? Pas du tout. Nous on est dans le nether. Hein. Dorian a un lit mais c'est pas le bon. Gabin et moi on dort dans un lit. Est-ce que ça. Gabin il est plus sur le jeu. Hein. Si on dort dans un lit, c'est juste que. Y'a moyen que ça passe le jour. Parce que dehors. Y'a moyen que ça passe le jour. Grain de maïs, tu veux Alan ou pas? On a déjà à la base. Putain, t'es équipé quand même. Ne vous pouvez pas dormir maintenant, le lit est trop loin. Tu dois te rapprocher du lit. Eh bien moi, sur ces belles paroles, je vais vous laisser. Bisous chacal. Un peu. Bisous chacal. Je vais m'en. Ça a levé le soleil. Je vais prendre les jambes à mon cou. Hop hop hop. Attends, t'étrangles pas, hein. Ouais, je suis fatigué. That's life. Ah ouais, hein. Je suis fatigué. C'est la life, mec. Allez, à plus tard dans le quart. Ouais, salut. Putain. Ouais. Putain. Allez, bisous, pipipou. Yeah. Yeah. Et bah ça voilà. Ça rame en plus. Et je veux pas recrash, hein, parce que là, sinon je vais remourir. Si je remeurs, bah la suite logique est la mort. C'est la mort. Le mec, vraiment, à part à la première session, maintenant toutes mes morts c'est juste à cause de bugs. Hein. Attends, je vois un blaze. Moi c'est ça aussi. Hein. Attends, droit devant. Pour suis l'instant, ouais, vraiment toutes mes morts c'est des bugs quoi. Dodo, suis-moi. Ouais, mais je te voyais pas bouger en fait. Il est dans l'arbre. Table de crabe, ça devait être moi, je pense que j'ai déjà posé. Bruit. Wesh, on est passé à côté de ça? Putain, c'est pas une académie, c'est des vilains méchants. Attends. Tu parles du village de Pillager? Attends. Ouais, je suis tombé à côté de ça, il y en avait un là. Non, je peux pas. On peut faire quoi avec le pollen? Rien faire, je suis même pas stuff. Je sais pas. Je peux tuer Kevin avec. Ouais, littéralement, alors. que j'allais dire. Rien faire avec, sérieux. Genre, y a des blocs de pollen et t'as de la poudre de pollen, mais tu peux rien en faire. Après, peut-être que les abeilles viennent le butiner, du coup. Je sais même pas quoi faire, je peux rien crafter. Et je crois pas. Tu peux rien faire? Bah non, je peux pas. Mange. Bah non, ça se mange pas, tu peux rien faire avec, littéralement rien faire. T'as pas de craft, t'as pas de recette. Allergique? Je sais pas. T'as ta gueule. Le perso, il est allergique. Quel dommage. Perso a le nez qui coule. Tomber des arbres. Tomber des nus. Ah, y'a un trou. BBQ. En fait, je suis en train de chercher parce que sur la map, ça dit qu'il y a une base. Il y a une cité. Ah bon, où ça? Bon, regarde la map, tu vois pas les. Les quoi? Les couloirs d'une. Truc de l'end? Les couloirs l'end. De l'end. Vous êtes toujours. Du nether, pardon.
Je me suis dit, les gars, vous êtes loin là. Je suis. Ouais, non, pas trop. Je vois pas de quoi tu parles. T'es passé. Ah, regarde, où c'est bon, je suis tombé dessus. Ouais, mais t'es où? Je creuse un trou deep down. Deep down. Deep down. Oui. Oh putain, j'ai failli clams encore une fois. Putain, il me reste littéralement 3 coeurs. Putain, j'en ai marre là de jouer. Bien, je vais stocker mes niveaux. Jouer comme un autiste, ouais là. Putain. Ça, c'est trop bien, tu te promènes à chaque fois avec ton livre. Et limite, si tu sais que tu vas crever, tu fais clic droit sur le livre et c'est bon quoi. Ouais, c'est ça. C'est comme ça que j'utilise. Hein. Trop bien. Agilité aquatique, name tag, une marmite. Ouais, bah je vais le prendre, l'agilité aquatique. T'as besoin d'aide, Dodo? Non. Bah non, parce que Dodo, il est trop fort. Commode-moi, bébou. Du coup, ouais, c'est un mine shaft. Oh, je suis de la merde. Blue bomb. Bah non. Ouais, tu me la jettes pas dessus, s'il te plaît. Tiens, y a un blaze dart, toi, si tu veux. C'est vraiment mal, la blue bomb. Oh, mais attends, il est collé à moi. Recule, recule. Wesh. Oh! Saloperie! Ah, pour le coup, ça fait mal. Ouais, et du coup, on a weakness vu que j'ai été touché. Ouais, bah attends. Il y a des fleurs et elles ont les pétales qui tournent. Lui aussi, la weakness. C'est moi qui. Non, il est pas mort. C'est moi qui les ai trouvés et qui les ai ramenés. Ah, mais c'est des colibris qui font ce bruit là. Les colibris, c'est génial. Les colibris. Oh non, j'ai envie de crever, je suis en face de la montagne. Je peux pas l'escalader. Je peux la contourner. Horriblement flippant, les colibris, ils font des bruits hyper sourds. Putain, je voyage dans la tête de Dorian, c'est horrible. Oh bah, sympa. Bah pourquoi? Genre vraiment, je vois ton casque là. Et je vois tout l'espace. C'est très cher, hein. Si seulement avoir tous cette connaissance. Si seulement c'était. Elle est chiante cette montagne gigantesque là, j'ai la flemme de l'escalader, j'ai pas que ça à foutre. Bah tu la contournes. Contourne-la par le sud. Ouais, c'est bon, je vais par le sud. Par le nord c'est plus long. Ouais, par le nord je sais pas en fait jusqu'où elle va. Par le sud il y aura juste une petite maison de pillager où tu devras faire un peu gaffe en passant par un lac. Ah. Eh bah super, le jeu qui bug là, putain. Je vois pas la maison. Pas de maison, ah, Dodo. Le boss a l'air d'être bon. On va peut-être un autre lac. Ah, ce lac là peut-être. J'ai bien contourné, je suis dans les marais. Les marais. Non, les marais coches. Merde les marais, putain. Bon. Non mais je suis plein. Moi aussi. Techniquement, en vrai, on pourrait se crafter un deuxième sac à dos. Hein. Oui, mais tu pourras pas l'équiper. Oui, mais tu... Genre, en fait, tu prends un sac à dos et dès qu'il est plein, tu... Comment... Tu le changes. Je peux pas enlever le sac à dos s'il y a des items dedans. Ah putain, c'est vrai, ouais. Par contre, le petit sac violet que je t'ai donné, eux, tu peux. Ok. Je trouve un spawner de... De blaze, je l'ai détruit. Ok, je suis niveau 25. Et on y croit, on marche, je suis en 2300. 1400, allez encore. 1000 blocs. Non. Oh non, non, ça pas freeze. Non! Non! S'il te plaît, petit peu taf. Fais pas ça, petit peu ça. Tu peux tenir le coup. S'il te plaît, tu peux le faire. Allo? Oui, allo? Allo? Ok, ouais, c'est bon. Vous parlez pas, donc j'ai eu peur que ce soit la connexion. On est concentré. Comme le lait! Pardon. Je sais plus jamais ça, ça marche. Oh mon jeu a crash hein. Marché 2400 blocs hein.
100%. Je vais de crever, les gars, j'en ai marre. J'en ai marre de ce jeu de merde. Je crois que je vais même plus y jouer avant d'avoir mon nouveau PC parce que. Ce que ça me fait, c'est me faire rager là à chaque fois. Putain, ça me saoule. Ah, attends, tiens, j'ai des flèches pour toi, mec. Pour moi ? Moi j'en ai ? Ouais. J'ai un stack. Oui, mais. Non, mais attends, tiens. Des flèches que t'aimes bien. Ah. J'ai même pas de place. Quoi ? Ah putain, non, ça a vraiment craché. Putain, ça me saoule. C'est injouable là. Les gars, je pense que c'est une fin de game pour moi. Autant je redémarre le PC, je suis là dans 15 minutes. Hein. Que ça sert à... Bon, les gars, je vous fais un... Ah suite, putain, mais attends, je crois que je suis pas si bloqué. Bisous, mec, fais de beau. Ouais, bisous. À demain, Kevin. Donc, des gros pouces tous les gars. Bisous le live. C'est ça, mon soupe. Et ciao. Il y a pas d'autre chemin. Ciao. Attends. Parce que là-bas, il y a un lac de lave bien rond. Ouais. C'est bizarre. Aïe. Sympa. Oula, je te laisse gérer. Il est en dessous. Tu veux faire un escalier vers le bas ? Bah voilà. Pour moi c'est juste un. Pour moi c'est juste un truc rond quoi, c'est tout. C'est juste bizarre. C'est très... Mais il est parfaitement circulaire ou. Ouais, ouais vraiment. Bon, au moins ça nous fait une poubelle. Hein. J'ai pas non plus grand chose à jeter quoi, je préfère garder ce que j'ai. Je vais farmer un peu d'XP encore. De toute façon, ancien là... débris, ça sert à quoi ça, je jette débris antique. T'as paniqué ou pas? Bah un peu, si tu veux pas, moi je prends. Hein. Avec mes bottes qui tiennent rien du tout là. Je tombe de quelques blocs, c'est bon, c'est la fin. Ah mais en plus on est couche 18, du coup peut y avoir des débris antiques. Ok. Après faut quand même avoir de la chance quoi. Après moi j'ai deux débris antiques, débris antiques, faudrait que je vois, j'avais vu une machine de duplication. Alors à voir si ça marche. À voir si ça marche, faudrait que je le teste dans mon coin. Après le truc c'est que dans le test il utilise une barre de land. Mais au pire, en vrai, tu peux le faire. On se fait le dragon et ensuite on se dit qu'après on fait les autres dimensions et tout. Parce que moi, je suis vraiment chaud pour me faire d'autres dimensions. Hein. Ouais, mais tu vois, le Under Dragon, c'est vraiment le truc. Après, il est modé, alors à voir. Alors... Oui, là, il va être strong, hein, je suis désolé. C'est de la lave au-dessus ? Non, c'est juste des blocs de magma. Ouais, bah en vrai, je sais pas, toi, tu veux continuer un peu dans le Nether ? Non, voilà, je suis quand même chaud pour retourner au portail qui est par là-bas. Ah, ouais, ok. À moins que t'aies la pierre pour te TP. Oui, j'ai la pierre pour me TP, après c'est comme tu veux, si tu veux retourner à pied. Parce que du coup, pour se TP, ça coûte 3 niveaux, après toi t'es passé après. C'est comme tu veux. Ouais. Bah là, j'ai que 12 niveaux. Ouais. Après, t'as tes livres aussi, du coup. Ouais, j'en ai qu'un seul qui a 15 niveaux, je crois, dedans. Le portail, tu le vois où d'ailleurs? Moi, j'arrive pas à le voir. J'ai 25 niveaux. Ouais, c'est parce que j'ai mis un white pawn dessus. Putain, t'es trop intelligent. T'es beaucoup trop intelligent, Dorian. On te mérite pas. Mais il est en.
Il est en 461-48, je crois. Ouais, attention. Vraiment, je suis un connard. J'ai vu la lave, j'ai reculé. Et après, j'ai dit attention. Okay. Ah, j'arrive pas à l'avoir celle-là. Ah, c'est parce que c'est un lac. On peut faire un sac de poudre à canon pour la déco. Ça pourrait être marrant. Essayer de reproduire des canons et mettre des sacs de poudre à canon à côté. J'avoue. Du coup, il va y avoir full quartz dans les coffres. Non, ouais, mais tu transformes en bloc, hein, on est d'accord. Oh oui, je peux mettre en bloc, quoi. Juste, je te laisse avancer, je reviens juste, je reviens dans 2 secondes. Ok. Heureux. Oh, ouais. Alors du coup, attends, je vais faire un waypoint. Il faut cliquer là. Attends. Là où je suis, je fais clic. Ouais, tu fais clic droit direct. Tu ouvres ta map, tu fais clic droit directement sur le chunk où tu es, à l'endroit où tu vas mettre le waypoint, et tu fais create a waypoint. Je vais le mettre en... Ouais, en violet sombre. Je vais l'appeler portail. Hop, comme ça je vais pouvoir ranger les coffres et après on va... Je vais arrêter là. Mon jeu est crash pendant que je passais le portail, génial. En espérant que ça fasse pas une Kevin. Oh. Si tu veux, je vais essayer de trouver un autre boss encore comme on a trouvé là. Pour me le faire. Ouais, bah comme tu veux, hein. En vrai, moi perso ça m'arrangerait. Après, si tu veux faire autre chose, vas-y. Hein. Je vais peut-être former la Netherite en même temps. Comme tu veux. Ah oui, j'avoue, en plus on a plein de laine. Ah merde, putain. Heureusement qu'il y a la barre de recherche, j'ai fait une erreur que tu n'aurais pas appréciée.
C'est que j'allais mettre les pioches dans la carte mère. C'est pour ça que j'y ai pensé après, j'ai fait ok, je les range. Alors, ça c'est bon. Tac, tac, tac. Le backpack. Ouais, j'ai fou le truc. Ouais, je viens de voir que. Je viens de voir que t'as quitté le jeu là. Ah oui, d'accord. Alors, je suis déjà en train de relancer CurseForge, tu vois. Ouais. Enfin, je suis en train de relancer CurseForge et le jeu, ça fait 10-20 secondes qu'il est fermé. Au moins, ça veut dire que je suis pas mort. Tac, ça c'est bon. On m'a volé mes coquelettes de porc. Ah ouais, on me les a. Comment ça ? Bah dans mon coffre j'avais des coquelettes de porc crues, j'en avais plein, elles ont toutes disparu. Qu'est-ce qu'il y a ? Je spawn dans le nether au niveau de la lave. Ah. Je comprends ta stupéfaction. Non. Ah. Attends. J'ai peut-être moyen de. Bon, le jeu il bug là, il a un peu de mal encore. Oh. Du coup là techniquement, j'ai 2 plus 2 et j'ai pile assez pour me faire un lingot de netherite. Sachant que j'en ai déjà un, j'ai 2 lingots de netherite. Du coup, j'ai vraiment spawn au même endroit que Kevin, mec. Oh non, t'as respawn. Du coup, Kevin, je vais pouvoir lui dire que j'ai fait la même. Ah, t'es à plus de 3000 blocs et tout dans le nether? Voilà, je suis en 3420, 397. Mais non. Et genre là, tu dois te taper la route. Je rigole pas. Putain, tu dois te taper le chemin. Non, mais j'ai le truc pour me taper. Hein. Ah oui, putain, mais oui, c'est vrai, je suis con. Ok, tant mieux. Ouais. Bon, bah, moi, j'ai tout vidé. J'ai plus rien dans mes coffres. Sur moi, déjà. J'attends. Ouais, bah, en vrai, je pense que je vais décoller. Ok, mec. Juste aller voir vite fait les. Juste attends avant de partir. Aller voir mes petites aubergines, voilà.
Oh, oh putain, c'est pété. Qu'est-ce qu'il y a? Bah du coup, en gros, je spawn dans un donjon. Enfin, juste en dessous d'un... Tu vois les bateaux pirates? Ouais. La même, dans le Nether, mais avec des wither squelettes et tout. Hein? Pardon? Ouais. T'as spawn dans quoi? En fait, j'ai spawn en dessous un bateau qui est dans le... Il y avait des bateaux Nether, de... Coup. Il y avait des bateaux de ouais, base. Ouais, bah tu vois les bateaux pirates... Non. Oh, let's go! Des bottes en netherite. Pardon! Mais frère, mais c'est quoi ta chatte là, frère? Ta session, alors, tu te fais mal stuff! Alors, Curse of Binding, ah. Curse of Vanishing, Feather Falling 4, Fire Protection 4, Soul Speed. Ah oui. C'est à la fois bien et à la fois pas ouf. C'est ça. Putain, mais du coup, l'ultimate ingot, ça va être hyper cher. Ça veut dire que techniquement, si tu veux te faire un arc, si tu veux vraiment te faire un full stuff, mais un full stuff, genre bouclier, alors on va compter, il y a combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On va dire 12, parce qu'on compte pas l'armure du cheval. 12. Ouais, putain, ça veut dire qu'il faut que tu tues 12 fois le Wither. Ça veut dire qu'on va devoir chacun tuer 12 fois le Wither. On va devoir avoir 12 crânes de Wither. En plus de ça, il faut aussi... après, les perles de laine, ça va, en fait. Prisme marin, ça va. Ah, attends, t'es à la base? Oui, je suis à la base. Oh, putain, c'est-à-dire que je peux vider mes couilles. Oui, c'est vrai. Putain, parce que je t'en pèle, ça va être putain, je suis fou, j'ai plein de trucs à récupérer. Bah, fais-toi plaisir, parce que je vais pas tarder. Ouais, je suis en train, là, du coup. Donc, c'est bon, je suis vide. Oh, let's go. Des potions de feuille résistance, bah, j'aurais dû en avoir plus tôt, ça. Je comprends pas pourquoi des fois les trucs de banane poussent et d'autres non. Je sais pas non plus, je t'avoue. Ah non, alors ça ressemble plus à un bateau de laine du coup. Tu sais, les bateaux, il y a les élytras. Ok. Et dans le j'ai pas fait le lien jusque là, mais ouais. Ok. Parce que, en fait... Ouah, un Wither Squelette avec un arc. Pardon. Parce que les Nether Boots, elles étaient en... Bah, au même endroit qu'il y a les Elytra, normalement. Ok. Ah putain, mais let's go. Par contre, ces bateaux-là, il faut les faire à chaque fois, du coup. Putain, t'as tellement de chance de trouver des trucs comme ça. Ouais, t'as raison, j'ai de la chance d'avoir failli crever en me faisant TP à 3000 blocs dans de la lave sous un bateau. Vu comme ça, c'est sûr que c'est pas arrangeant. Mais t'as trouvé des bottes en netherite. C'est une récompense, hein. T'as quand même trouvé des bottes en netherite, hein. Oui. Moi, avec mes vieilles... Moi, j'ai des vieilles bottes en diams, là, à 31% d'utilité. Ça me saoule un peu, quoi. Bon. Je fais que les réparer. Le truc, c'est que techniquement, je pourrais les passer en netherite. Mais si je les passe en netherite, bah... Elles vont se casser, quoi. Parce que là, il faudra du lingot de netherite pour les réparer. Ou du mending. Voilà. Sauf que mending, faut ramener les villageois. Et j'ai pas de mytho que j'ai une flemme monstrueuse de ramener les... J'ai pas envie de me taper le chemin pour ramener les... Les PNJ. Vraiment. Déjà, faut en trouver. Faut les ramener et tout. La flemme. La flemme de ouf. Oh.
Mec, j'ai envie de faire une connerie. D'accord, c'est-à-dire. Je peux. Genre. Attends, déjà, faut que j'aille voir c'est quoi ce bloc. Parce que je vois un biome full blanc à côté de moi dans le laser. Ok. Et, en fait, j'ai envie de. Genre, je dis un portail qui est déconstruit, tu sais, un. Ouais, je vois. Pas. Je vois de quoi tu parles. J'ai envie de le compléter et de passer à travers. Et de voir où est-ce que tu arrives. C'est ça. Bah, en vrai, test, hein. Sachant que du coup, en x8, je vais être en 24 000, quoi. Ouais, y'a moyen. Y'a moyen que le serveur il crache. Aussi. Quartil Z100, c'est quoi ce truc? Vas-y, moi je déco là. T'as plus rien à vider? Non, c'est bon. T'es sûr? Non, bah attends, du coup, tu veux que je passe le portail comme ça, je te dis s'il y a un truc? Au moins? Vas-y, hein. Ah oui, putain, oui, non, faut que je prenne l'obsidium. Putain, merci de m'avoir rappelé ça, du coup. C'est bon, j'ai pris. Tac, du coup. Oh non, mais toi, le magma cube, c'est pas le moment. Merde, dites-vous le coffre. On espère que mon jeu crache pas. Moi, mon jeu il bug un tout petit peu, mais ça va. J'ai popé dans un biome dune. Et t'as des petits yuka. C'est quoi tes coordonnées? 27237, 3356. Pardon, ah oui, moi je suis en 3054-421. T'as vraiment. J'ai vraiment. Prends un screen de ta carte et envoie-la sur Discord pour les autres. Parce que là, mec, ta carte. Ok, ok. Parce que, mec, ta carte elle doit être monstrueuse du coup. Hein. Bah du coup il y a que l'endroit où j'ai pop qui est découvert. Ouais bah oui. Mais du coup tu vois t'as un énorme trou quoi. C'est ça qui est marrant. C'est ça. Bon vas-y, moi je vais arrêter là. Hop, je vais repasser en just chatting. Tac, tac. Déconnexion. Du coup, voilà. On va arrêter le live ici. Qu'est-ce que je pourrais dire? Dire ouais du ah, coup t'as oui. De l'aloe vera du coup pardon je crois qu'on a mais prends quand même je crois qu'on doit avoir une okay. Graine mais c'est tout et il y a quelques recettes avec si tu peux prendre ce serait sympa merci et ouais du coup demain live horreur on va jouer à The Evil Within on va jouer à ça. Samedi peut-être en milieu d'après-midi faire un petit live Red Dead tranquille peut-être pas sûr et normalement alors si tout se passe bien j'envoie mon ordi en réparation pour un petit truc à la con pour ma carte wifi je l'envoie en réparation pour la carte wifi peut-être si tout se passe bien mardi soir il y a un live si tout se passe bien sinon ce sera mercredi. Parce que à partir de mercredi, je suis en vacances. Du coup, voilà, il y aura peut-être un live tous les jours. Peut-être des petits lives sur BetterMC en mode farmage d'XP, des trucs comme ça, peut-être. Peut-être pas tous les jours sur BetterMC, mais un peu de The Evil Within, continuer. The Evil Within, Red Dead et Minecraft. Voilà. Bon, bisous YouTube, bisous Twitch, salut!